Yeah! Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce duo majestique du 21 mars 2023. On a un invité spécial pour vous. Ça sera un gros, gros show avec tout ce qui se passe dans l'actualité. Évidemment, on va s'attarder à la politique américaine et tout ce qui se passe aux États-Unis. Toi, comment ça va aujourd'hui, mon cosmos? Ah, ben, je bouillonne d'impatience, je trépigne, je suis, comment dire, c'est journée historique, c'est année historique, c'est, tu sais, c'est à chaque semaine, on a l'impression que toi et moi, on commente l'histoire, et puis ouais. Ce soir, on est au cœur de la tempête, on va être le mieux plugué avec la personne dans la francophonie probablement la plus proche de Trump, tu sais, quelqu'un qui est français, qui parle français, ouais. Plus proche de Trump, je pense que on, donc, puis les dates, tout ce qui se passe. Tu sais, on s'était dit, l'année 2023, il y a 2-0, 2-3, 3-2-2, Skulls and Bones. Il y a le mois de mars, le mois de mars, c'est le dieu de la guerre. Puis là, on a le 3-2-2 demain, le 22 mars. Il y a tellement de choses qui se passent. Juste, regarde, j'ai fait juste une petite liste de choses qui se passent aujourd'hui et demain, juste pour vous mettre dans le contexte de ce qu'on va commenter, de ce qui se passe. Donc, le 21 hier, c'était la nouvelle lune, puis c'était également le moment où Pluton arrive dans le signe du Verseau. Okay. C'est un moment qui semble anodin, mais selon tous les astrologues, c'est un moment important. J'en cite juste sur Google ici, là, juste rapidement, vite, là. Je vous montre ça comme ça. OK, juste rapidement, c'est bon, Pluton arrive en Verseau, la nouvelle lune du mardi est teintée d'une énergie très spéciale. On nous dit que ça va être d'une grande des événements d'une grande ampleur. Il semblerait-il que c'est spécial. 3-2-2, tout le monde sait que c'est le chiffre qui va avec Skulls and Bones. Ouais. Et pour en rajouter encore plus, le 3-2-2, incroyablement, c'est la journée nationale des Donalds. La journée nationale des Donalds est le 22 mars. On est supposé de déposer des accusations contre Donald Trump. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans cette journée-là? Eh bien, il faut appuyer un Donald qu'on connaît pour... Lequel des deux Donalds que je connais, je vais supporter, là. Ben, faut toutes les Donalds possibles, Donald Duck, Donald Trump surtout, mais ça fait bien des choses qui s'enlignent, parce que, tu sais, tantôt que je disais que Pluton arrive en Verseau, ça a l'air anodin, mais c'est exactement le même alignement de planètes qu'il y a eu pendant la Révolution française. Ah ouais. Et qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'en ce moment... Qu'est-ce qui se passe en France, là, ça a pas mal la Révolution française, là? Ben, c'est ça, tabarnane, ça ressemble! Fait que c'est un alignement spécial. Et puis moi, regarde, j'ai fait une émission hier. J'ai fait une émission. Ouais, belle émission, puis j'étais comme, ben là, Cosmos, t'es tout en train de voler nos sujets d'asseoir. On reçoit Sylvia Miami. Je voulais mettre la table. J'espère que vous l'avez vu, très, très bon show. Et puis, mais j'ai une confession à faire. Je n'ai pas encore écouté ton Popstar et le culte, le dernier. Ah ouais? Ah, ben là, c'est le monde de l'arrache. Tout le monde, ça a été vu pas mal, mais YouTube, non, là. Fait que si vous ne l'avez pas vu parce que vous me suivez sur YouTube, allez voir ça sur Odyssée, mon nouveau Popstar et le culte numéro 15. YouTube l'a coupé encore? Ben oui, les droits d'auteur probablement, là, parce que je ne dis pas des affaires si effrayantes que ça. D'ailleurs, j'ai contesté, il me reste 2 jours sur YouTube. Donc, la semaine prochaine, on sera de retour sur YouTube et je laisserai, vous aime. Je vous aime sur Twitter. L'avenir, c'est Rumble. Malheureusement, pour nos amis en France, ben, écoutez, là, Rumble, c'est rendu champion. Le plus de vues, c'est Rumble. Capoté sur Rumble, là, je vois les vues monter à la seconde, là, 165, 166. Ah ouais, 167. Et puis, on est à 200. Hein? On est en train de dépasser. On va faire le 400 ce soir, mesdames et messieurs. Steven Crowder, il est revenu en ligne depuis avant-hier. OK? Oui. Sur Rumble? Sur Rumble, mais aussi sur YouTube. Fait qu'il met ses shows en même temps sur YouTube puis Rumble. Puis il y a le quadruple de vues sur Rumble que YouTube. Il y a comme, mettons, un 400 000 vues sur YouTube, mais 2 millions sur Rumble. Il y a eu le festival de Power Slap, là, le concours de Tapsaïa. Je ne sais pas si tu as vu ça. C'est le concours de commotion cérébrale. Oui. Oui, mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pire que la UFC? Non. Tu sais, la UFC, je pense que oui.
Ben, moi, je ne suis pas sûr. Ben non, hey, à UFC, c'était pas chahil, solide. Ouais, c'est des points comme ça. Là, oui, mais là, j'ai écouté le tournoi. C'est, tu vas recevoir trois tapes à gueule. Tu vas en donner trois. C'est ça l'affaire. C'est trois rounds, trois tapes à gueule. Mais quand tu arrives d'un haut niveau, ce que j'ai remarqué, c'est que la première tape à gueule du premier gars, il donne une commotion cérébrale à l'autre, il ferme les lumières, c'est terminé. Mais oui, c'est niaiseux, mais Rumble, c'est l'avenir. Fait que les Français qui nous écoutaient sur ailleurs que sur Rumble, ça vous prend un VPN. Je ne sais pas si c'est un VPN. Moi, j'ai un VPN depuis deux semaines. Je me promène partout sur la terre. Je vous incite à avoir ça parce qu'avec les lois qui arrivent au Canada, on va avoir besoin de ça. Hey, ouais, même au Canada. Même au Canada, effectivement. Hey, là, je m'excuse. Il y a tout le temps un petit bing-bing. Là. Je ne sais pas de où ça vient. J'ai tout essayé. J'ai fouillé dans mon ordinateur. Pas, moi, j'ai des notifications. Ça rentre tout le temps. Telegram? Moi, il me semble que c'était Telegram que j'entendais des fois dans tes affaires. Ouais, non, je pense que c'est Messenger, mais je les ai toutes effacées. Je ne sais pas de où est-ce que ça vient. Écoute, je suis sincèrement désolé. Continuez à partager. Vous êtes plus de 233, ouais, 236. Oui, puis Sylvia Miami est en stand-by dans les coulisses. Et puis, on vient de dépasser le 200 sur Rumble. Écoutez, là, Rumble va dépasser Facebook. On est fiers. On est fiers. Mais en. Parce que quand vous allez être assez nombreux sur Rumble, on va les faire des fois. On vous a promis un show sans censure. Et puis, je pense qu'on va y aller dans l'occulte et le messianisme dans pas long, Cosmos. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais moi, j'ai plein d'idées pour faire des affaires de fou. Là. Mais à soir, on est sérieux. Parce qu'à soir, on est au cœur de la tempête. Toi, aujourd'hui, pensais-tu que Trump se ferait arrêter? Comment tu as vécu ta journée, toi? Non? Non, moi, j'avais aucune crainte que Trump se fasse arrêter aujourd'hui. Je me posais des questions. Qu'est-ce qui va arriver? Puis tout ça, ça aurait été le fun. Vous allez voir, là, Sylvia Miami, elle était sur place à Mar-a-Lago parce qu'elle habite à 10 minutes de Mar-a-Lago en Floride. Elle est allée faire un petit tour. On va avoir des images exclusives. Là, vous n'allez pas avoir du fake news. On va avoir de la vérité de ce qui se passe sur le terrain. En fait, c'est drôle. Les gens sont, on dirait qu'ils sont excités. Sont excités de ce qui se passe parce que tout le monde autant les supporters de Donald Trump que les supporters de CNN. Ah oui, ah ben oui. Hey, les médias, ça fait 8 ans là, qu'ils nous disent Trump est sur le point, les murs se rapprochent, ça close et c'est une question de temps. Trump va faire un François Amalega de lui-même. Ouais, oh, oui. Et puis, la prison est justifiée. Ah ouais, c'est sûr que les Jacob de ce monde puis les chroniqueurs du Journal de Montréal doivent vraiment saliver puis ils vont espérer qu'ils se fassent faire un Epstein en prison. Ils feront sûrement pas prison parce que le cas, tu sais, c'est ridicule. Là. C'est sûr qu'il va s'en tirer. Est-ce qu'il... j'ai bien hâte de savoir l'opinion de Sylvia Miami là-dessus. Là, Trump, il prépare sa campagne de 2024 il a fait un email, il y a une newsletter, il demandait de l'argent aux gens, puis tout ça. Puis c'est normal en politique, les partis politiques demandent de l'argent. Et puis là, évidemment, sur Twitter, il y a quelqu'un qui a commenté en disant « Ouais, là, Donald Trump a regardé ses moutons de sa secte, ils vont lui donner de l'argent pour sa défense en cours, puis tout ça. » Et puis, j'ai répliqué avec une réponse d'un article du Forbes magazine de 2021, où est-ce qu'il montrait qui avait donné de l'argent à Donald Trump pour sa campagne de 2020. Ben, écoutez, les milliardaires aux États-Unis, 25% des milliardaires aux États-Unis ont donné à Biden et au Parti démocrate, et seulement 14% des milliardaires aux États-Unis ont donné à Donald Trump et sa campagne. Sa campagne, c'est le peuple. C'est le peuple qui donne de l'argent au Parti républicain et à Donald Trump, des 20$, des 100$, des 500$, alors que les milliardaires, à l'exception d'un propriétaire de casino qui a donné 75 millions à Trump, la majorité, on se souviendra, il y a Zuckerberg qui avait donné, je pense, 200 millions dans un CPAC. Soros, on n'en parle même pas. Mais Zuckerberg les élections pour ramasser les boîtes de scrutin, il finançait ça, il a fait installer les Zuckerbox.
qu'il appelait. Les Zuckerbox, hein, puis Black Lives Matter, qui avait été financé également par ces mêmes organisations-là. Walmart, paradoxalement, avait donné des millions à Black Lives Matter. Et puis là, on le voit dans l'État de Washington, à Portland, sont obligés de fermer tous les Walmart parce que... En Oregon. Ben, le vol à l'étalage, à un moment donné, ça coûte trop cher. À San Francisco, on l'a vu aussi, les pharmacies sont en train de fermer à cause du shoplifting, du vol à l'étalage. Et puis, ben, on va en parler ce soir un petit peu. C'est espèce de loi-là qui criminalise plus les criminels. Et puis, on se retrouve finalement avec des situations, puis avec le procureur de Manhattan qui poursuit actuellement Donald Trump et j'ai nommé Alvin Bragg. Oui, c'est sa mission de vie. Puis sa femme également, je veux dire, c'est lorsqu'ils vont au micro, il explique à tous les jours on va être après Trump, tous les jours on va faire en sorte qu'on va être après lui comme une mouche à marde. Puis dire s'ils réussissent à avoir une mugshot de Donald Trump, ça va être le trophée de leur carrière, ça va être le plus grand accomplissement. Ouais. Écoute, c'est capoté. Puis le problème, regarde, on l'a vu, il y a une vidéo qui circule, c'est qu'à un moment donné, quand on dit à une certaine classe d'individus de la société qui sont des victimes et puis qu'ils sont au-dessus des lois, ben même à Montréal, on l'a vu hier, il y a un homme qui s'est fait agresser sauvagement dans le métro de Montréal. Un homme de l'air de la cinquantaine avancé, assurément. Je ne sais pas ce qu'il a dit à l'individu, mais peu importe, c'est inacceptable. Certains diront peut-être qu'il y a eu une remarque raciste ou peu importe, mais le noir en question, il a agi comme un nigger, il a agi comme un sauvage, et puis finalement, il fait juste renforcer justement ces préjugés-là négatifs. Mais moi, le parallèle que je fais, c'est qu'on le voit, là, on l'a vu au Spring Break présentement aux États-Unis, on le voit dans les bagarres de groupe. L'incivilité est souvent du même bord, et rarement sur le côté des MAGA, hein, des gens qui sont law and order, est souvent de l'autre côté qui sont les détenteurs de la vertu. Puis ça, j'ai hâte d'entendre. Non, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de conséquences à leur action. Tu sais, briser des vitres, si t'es de gauche, là, une couple d'années plus tard, Valérie Plante va sortir pour te courir après pour te donner de l'argent, là, pour s'excuser. Non, ouais, c'est exact. Vrai. C'est ça qui se passe. Tu sais, la situation qu'il y a eu dans le métro de Montréal, je suis persuadé que si ça avait été une situation inverse, c'est-à-dire un jeune noir, un noir de troisième âge qui se fait agresser par un jeune blanc, ça aurait fait TVA, ça aurait fait tous les médias. Mais voilà. Et puis, c'est une situation, puis il faut faire attention parce que c'est ça le but de nos élites, c'est que nous-mêmes, on se confronte les uns les autres, puis pendant ce temps-là, ils mangent du popcorn. On va parler ce soir de Donald Trump, la situation aux États-Unis, la présidentielle de 2024 de Don DeSantis. Est-ce que Trump sera arrêté la semaine prochaine? Ben déjà, demain, on va voir s'il y aura des accusations. Et puis, on reçoit ce soir, justement, Sylvia Miami, qui est une grande, grande partisane, qui habite depuis 2010 aux États-Unis. Et puis, elle a vu l'avant, le pendant et l'après Trump. Puis, je pense que c'est une des personnes les mieux placées je peux pas dire la complosphère, mais vraiment plus la résistance mondiale, le mouvement des résistants et des patriotes. Nationaliste, le mouvement nationaliste, elle est française, nationaliste française probablement. Ouais, ben elle est nationaliste américaine maintenant. Aussi. Donc, on l'accueille. Et on l'accueille chaleureusement. Sylvia Miami, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir. Sylvia. Ça va? Ça va très bien. Mais toi, je sais que, bon, c'est bouillant, tu nous entendais en parler. On trépigne d'impatience à savoir ce qui se passe. Toi, tu es encore plus près de l'action. Avant de parler de ce que tu as vécu aujourd'hui, j'aimerais que tu te présentes à notre public québécois que, bon, je sais que beaucoup te connaissent, mais pas tous. Comment t'es arrivé à être près de l'entourage de Donald Trump, toi qui viens de France? C'est quoi le chemin? Explique-nous un peu ton origin story. Oh, punaise. En fait, je suis arrivée aux États-Unis parce que j'étais infirmière avant. Et je ne parlais pas anglais. J'ai voulu partir avec des ONG pour aider après le tsunami en 2004 en Thaïlande. Et on m'a refusé ça. Et le fait de ne pas parler d'anglais, qu'on me refuse de pouvoir aider les gens parce que je ne parlais pas anglais, ça m'est resté dans le coin de la tête. Et je suis venue aux États-Unis pour apprendre l'anglais à Miami
parce que j'aime pas le froid. OK. Et en fait, on est en quelle année à ce moment-là, 2005? C'était alors en 2004, ouais. Quand OK, 2004. Tu es arrivé à Miami pour apprendre l'anglais. OK. En 2010, il y a eu plein de choses qui se sont passées avant. Et en 2009, je suis venue une première fois en 2009 parce qu'il fallait que je vienne légalement. Hein. Donc, j'ai demandé un visa étudiant. Bon, c'est un peu long, hein. Ça, c'est pas important. Je suis arrivée. Bon, même après autant d'années, mon anglais est très drôle, mais c'est ce qui a fait que aussi, quand je rencontre des gens, eh bien, ils se rappellent de moi parce que mon anglais est tellement terrible. Comme quoi, vous voyez, quand on maîtrise pas une langue, mais qu'on se fait comprendre, eh bien, on peut tout faire dans la vie. Okay. Et donc, j'ai toujours été une révolutionnaire dans l'âme dès que j'ai fait mes études d'infirmière ou pour d'autres choses parce que j'aime pas du tout l'injustice. Et quand j'ai vu toute la pugilat qu'il y a eu par rapport à Trump, j'ai dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais pas du tout dans la politique américaine. Hein. Mais j'y connaissais absolument rien. Je suis pas du tout une spécialiste, hein, mais j'ai eu la chance que mes rencontres me fassent rencontrer des personnes et de fil en aiguille, j'ai rencontré de plus en plus de personnes et voilà. Et maintenant, j'ai vraiment des relations exceptionnelles avec certains grands patriotes, dont le général Flynn que j'ai eu tout à l'heure encore au téléphone. Wow, c'est magnifique. Général Flynn, il a joué un rôle important, puis je pense qu'il y a encore beaucoup de notoriété face aux Patriotes aux États-Unis. Là, tu as discuté avec lui ce soir. Peut-être que c'était juste une petite conversation informelle comme ça, mais lui, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, de ce qui se passe avec Donald Trump, la possible arrestation de Donald Trump? Bien évidemment, c'est un danger. Puis c'est ça qui est intéressant, parce qu'on dit souvent que Donald Trump, il est là un peu pour dévoiler hein, le plan des mondialistes, dévoiler comment ça se passe, puis on va avoir un angle intéressant par rapport à ça tantôt avec les présidents précédents Trump. Mais est-ce que c'est une manière, justement, parce que même McCarthy le dit aujourd'hui, DeSantis le dit hier, le danger, c'est que peu importe que vous soyez démocrate ou peu importe, c'est qu'on est en train d'instrumentaliser, de politiser la justice aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est pas qu'on est en train, c'est qu'elle est instrumentalisée depuis des années, mais on ne le savait pas. Exact, oui, c'est ça. Puis là, c'est dévoilé au grand jour. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, donc, on discutait de toute autre chose hein, avec le général Flynn, et puis même, après, il y a des choses que je peux dire et d'autres choses que je ne peux pas dire. Assurément. Mais ce qui est absolument fabuleux, en fait, comme je disais lors de mon live dimanche, je suis extrêmement fière de pouvoir vivre l'histoire comme nous tous. Et c'est vrai qu'on vit des moments durs, mais on vit des choses passionnantes. Ah, on vit le meilleur comme le pire. Hein. On est en train de voir des vérités éclater. On s'en prend aussi plein la tête aussi. Mais quelle meilleure époque pour être vivant. On est en train de vivre l'histoire dans le cœur de l'histoire, mais dans l'histoire mondiale, pas qu'au niveau des États-Unis. Et lorsque, donc, j'étais pas du tout politique et j'ai vu cet acharnement. Parce que rappelez-vous, à un moment donné, tout Hollywood et toutes ces personnes, des politiques, adoraient Trump. Il était invité de partout. Avant qu'il se présente, c'est sûr. Exactement, oui. C'était quelqu'un d'adoré de partout. Mais, oui. Là, il y a eu un mais. Quand il a annoncé sa campagne présidentielle, alors là, moi, je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un se faire tirer dans les pattes autant que lui. Dès le départ, hein, dès le départ. Puis je me suis dit, mais c'est quoi cet acharnement? Je n'étais pas vraiment pro-Trump. Hein. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et puis, bon, au fil de nos recherches, comme vous avez passé des nuits blanches depuis des années, ben, j'ai passé mes nuits blanches à lire, à étudier, à chercher. Et en fait, il n'avait pas besoin d'être en politique. Il avait tout. Ah non. Sylvia, regarde, je vais t'arrêter parce que tu m'as envoyé une vidéo tantôt, puis je trouve que tu l'expliques bien. Puis moi, c'est la même chose. Moi, en 2016, je travaillais dans l'industrie touriste à Montréal, énormément d'Américains, puis les gens, beaucoup d'Américains me demandaient ce que je pensais de Trump. En 2016, je sais pas, c'était un clown,
C'est un gars qui aime... Tu vois, j'avais un peu cette même perspective-là. Et puis là, en 2017 et 2018, là, quand les Américains arrivaient, moi, j'écoute la télé, c'est comme si 100% du monde n'aime pas Trump. Et puis moi, quand j'étais là, c'est 80% des Américains à qui je discutais me disaient « C'est le meilleur président de l'histoire des États-Unis. » Puis là, j'étais dans ta minute. Tu peux dire que tu l'aimes, le président américain. Tu peux dire que c'est un bon président, mais de là à dire que c'est le meilleur président de l'histoire. Puis c'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à Donald Trump et puis à faire mes propres fact-checking. C'est-à-dire que quand les médias disaient quelque chose, j'allais voir le tweet. Quand les médias disaient quelque chose sur un tweet, moi, j'allais voir le tweet ou la vidéo entière, pas c'est juste le clip. C'est très simple, en fait. Quand les médias disent quelque chose, tu prends l'opposé. Comme ça, voilà. Tu fais moins chier. Alors, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter une vidéo que tu as faite. C'était à l'automne 2022. C'est quand que le FBI, je crois, a perquisitionné Mar-a-Lago. Est-ce que c'est à cette époque-là, lorsque tu étais devant, tu avais été questionné par des journalistes? Je vais présenter l'entrevue avec RTL. Je me souviens plus parce que j'ai un problème de date. OK, ben regarde, je pense que la date est écrite dans la vidéo. On va la regarder ensemble parce que je trouve ça intéressant parce que tu expliques justement, toi aussi, que tu n'étais pas une pro-Trump. Tu as commencé à te questionner. Puis donc, tu sais, ça explique un petit peu ton... Il y a 4 mois. C'est il y a 4 mois. Donc, voilà, je crois que c'est en novembre. Je vous présente cette vidéo-là. Et puis, ensuite de ça, ben, on va revenir, ça va vous permettre. Je ne mettrai pas les... Parce que tu as parlé aussi à 2 journalistes, une française et une canadienne, mais je vais sauter directement à RTL parce qu'on a tellement de vidéos, tellement de contenu, on n'aura pas le temps de tout passer. Donc, juste un instant, je vais le mettre... Je vais le mettre ici. Donc, toi, ben, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu te présentes dans les rallyes, tu te présentes dans les événements. Attends, je veux juste une chose. Je voulais remercier Jocelyne Pauliac qui me traduit toutes mes vidéos exclusives. Elle fait un travail exceptionnel. Voilà, on a le facteur qui traduit, on a Cosmos et c'est important. Les traducteurs ont leur place importante et je voulais les remercier. Ah oui, absolument. Et spécialement ma Jocelyne. Parfait, merci. Oui, puis c'est important de remercier ces gens-là. Vous jouez un rôle important. Il y en a plein, hein. Anaïs, Jeanne Traduction, il y en a plein, puis merci. Quentin Leap aussi fait du beau travail. Quentin Leap, ils font un travail exceptionnel, c'est important justement pour que, nous au Québec, on dit souvent qu'on est sous un dôme, hein. Ceux qui ne parlent pas anglais, ben ont seulement l'information des médias ici québécois, et puis c'est important le travail que vous faites. On y va en avec... En France aussi, c'est un genre de dôme, tu sais, La France est dans un dôme aussi par la langue, puis même l'Espagne en quelque sorte, l'Italie aussi. Ouais, puis en plus, on l'a constaté avec les lockdown files qui ont sorti en Angleterre. En France, ils en ont très peu parlé. Il y a Philippot qui en a parlé, bien évidemment, mais les gens en général en ont très peu parlé. Donc là, on va présenter l'entrevue que tu as faite. Donc toi, tu étais sur place, et puis là, il y avait des journalistes, et toi, tu es allé... À la rencontre des journalistes. On les a présentés. C'est un Canadien qui m'a dit, il ne parlait pas français, c'est un Canadien anglophone qui m'a dit, Sylvia, I will introduce French people. I saw the fake news, the French people, they are there. Voilà, il m'a dit, je vais te présenter les médias. Voilà, ben écoute, on va écouter. Comment j'ai été présentée. On va écouter ta rencontre avec les médias. Donc, celui-ci de France. Attendez, il avait une grosse pancarte et il se trimballait avec. Il passait avec sa grosse pancarte fake news. C'était hilarant. Ouais, CNN fake news. Ouais, c'est ça. Voilà. On vous met ce petit clip-là puis on vous revient tout de suite. Vous êtes ici, vous êtes française. Alors, bonjour, vous êtes bonjour. RTL, c'est Exactement. Ça Exactement. Oui, je suis française, j'habite ici depuis 10 ans. J'habite à 10 minutes d'ici, de Mar-a-Lago. Et c'était important pour vous d'être là ce soir? Bah, évidemment. On attendait tous. Alors, moi, je vais vous dire, je suis très contente qu'il se représente, mais j'attendais tellement plus parce qu'on lui a voté ses élections en 2020. Donc, pour moi, j'ai un goût amer. Vous attendiez quoi de plus? J'attendais qu'on remette la Constitution à l'honneur. Parce que la Constitution, c'est nous. Et là, vous êtes pensez que c'est le début d'une nouvelle ère pour, avec Donald Trump, deuxième Mais mandat? Non, c'est pas le début d'une nouvelle ère. La nouvelle ère, elle a commencé en 2016. Est-ce que vous vivez ici?
Vous vivez ici? Je viens de New York. Ok. vous avez vu, ça fait combien de temps que vous vivez à New York? 2 ans. Okay. Ah, ok. Alors moi, je vis aux États-Unis depuis 2010. J'ai vu l'avant Trump, pendant Trump et après Trump. Si on me dit à quel moment j'ai envie de vivre, à 100%, je veux revivre pendant Trump. Parce que ça a été le seul qui a dit et qui a fait ce qu'il a dit. On avait un pouvoir d'achat, il a pris en compte toutes les minorités, il a redonné le pouvoir au peuple. Regardez en 2 ans ce que Biden a fait. Il a détruit l'Amérique. Alors je me dis, on va attendre encore jusqu'en 2024 pour avoir le pays American Great Again. Et à ceux qui pensent que Donald Trump divise le pays pour être avec toi. Je leur dis qu'ils sont hypocrites. Je pense qu'ils sont hypocrites parce que si on est vraiment de bonne foi et qu'on enlève tous les problèmes de parti gauche-droite et qu'on se base sur les faits, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait pour son pays. Ça a été le seul qui n'a pas pris des émoluments financiers lors de son mandat. C'est le seul à ne pas s'être enrichi. C'est le seul à avoir respecté le peuple. Et je ne suis pas une fan. Je ne suis pas une fan. Je me base sur les faits. Je me base sur les faits. J'ai appris à l'apprécier. Au début, on l'a diabolisé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette campagne, cette cabale contre nous? Il y a de la place pour Donald Trump et Ron DeSantis? Bien sûr. Dans quel ordre? Parce que Ron DeSantis vient se présenter. Ça, c'est les médias qui font cette guerre. En tout cas, on verra. En tout cas, entre choisir entre DeSantis et Trump, j'ai choisi Trump. DeSantis a fait un remarquable travail ici, en Floride. Mais quand vous mettez les deux, Trump est populaire de par le monde. DeSantis est populaire en Floride. N'oubliez jamais ça. Il lui montre un petit peu plus d'expérience, mais il pourrait faire un très bon candidat après Trump. Merci beaucoup. Je peux prendre votre prénom, s'il vous plaît? Oui, Sylvia. Sylvia Miami dans les réseaux sociaux. Sylvia Miami. Voilà. Très bien. Je peux prendre votre numéro de téléphone si jamais je reviens ici? Okay. Ou okay. Un reportage. Okay. Comme ça, je vous envoie un texto. Vous allez me coordonner aussi. Mais il y a sûrement. Okay. Est-ce qu'il a passé l'extrait à la télévision vraiment? Sûrement pas. J'imagine que non. RTL, c'est plus radio, je crois, là. Je suis passé sur CNN. C'était quand j'étais allé voir Trump à Nashville. Et CNN, je suis plus. Il avait passé Alexis quand j'étais passée en interview. D'ailleurs, je fais un énorme bisou à Alexis. Ah, mais super entrevue. Puis là, est-ce que tu as donné ton numéro finalement au journaliste? Est-ce qu'il y a eu une suite à tout ça? Oui. Ouais, il voulait un rencard, moi, je pense. Hein, il a été sympa. Il voulait un rencard, là. Enfin, il peut toujours courir. J'ai mon Grégory. Personne ne peut arriver à la cheville de mon Grégory et de ma Mia. Oui. D'ailleurs, justement, toi, Alexis, tu avais reçu à l'automne, je crois, et puis il y avait mis, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Radio-Québec ou encore sur la chaîne Sylvia Miami sur Rumble. Elle a publié récemment. Ah oui, c'est vrai, je l'ai mis. Elle a publié récemment la vidéo et puis justement, les deux entrevues qu'elle a données sur CNN et Fox News sont présentes parce qu'Alexis les avait présentées. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Écoute plus. Sur Crowdbunker, parce que Rumble, beaucoup de. Les Français n'y ont pas accès. Ah, c'est vrai. Bon, Crowdbunker. Ben, écoute, je ne sais pas ce soir, mais en tout cas, là, présentement, on est à plus de 600 personnes qui nous regardent en direct sur nos différentes plateformes. Au Canada, on a la même heure. Et en France, c'est 3h du matin, c'est 3h30. Ah oui, non, ben, c'est sûr. Ben, salut aux cousins français qui nous regardent. Parlant d'Alexis, moi, j'avais préparé un petit clip. Bon, cette semaine, il a parlé de la situation des accusations criminelles sur lesquelles Trump devra faire face ou fera face. Il parlait de l'effet miroir et je trouvais ça super intéressant. J'aimerais ça avoir un petit segment là, au Duo Majestique à toutes les semaines avec un segment. On sait, Caroline Lessard fait des petits segments du web journal de Radio-Québec. OK, on va être des commentateurs d'Alexis hebdomadaires. Okay. Non, ben en fait, c'est pas. Tu sais qu'elle fait un grand travail. Bisous à Marie-Josée, Caroline.
Ah oui, on les adore, tout à fait. Ouais, merci beaucoup. Et puis, regarde, je vous présente ça, puis ensuite de ça, en fait, c'est plus qu'on fait une analyse de lui, qu'est-ce qu'il dit, tu sais. On va faire lui, qu'est-ce qu'il fait avec les autres. Donc, on est le 110% d'Alexis. On est le 110% d'Alexis. Okay. On regarde ce petit clip-là. J'ai mis le petit indicatif musical également qu'il utilisait avant qu'il ne l'utilise plus. Mais moi, je l'aimais vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il va me dire non, n'utilise plus ça. Mais on verra prochainement. On écoute ce petit clip-là ensemble et puis on vous revient. Avec des menus. Oups, attendez, c'est pas celui-ci. Juste un instant. Fichier vidéo. Pendant que tu l'as-tu trouvé? Vas-y, pendant. Je voulais juste envoyer, encore une fois, je n'ai parlé hier, mais mes condoléances à Alexis pour la perte de son père et le moment d'émotion qu'il nous a fait vivre à la fin de l'émission lorsqu'il a rappelé que, comme son père écoutait les médias, il a choisi de croire ce qu'il disait dans les médias de Trump et de la COVID au lieu de croire son propre fils. Et puis, il n'a pas pu se réconcilier jusqu'au dernier moment. C'était à s'arracher le cœur. Tout le monde, je pense, pleurait au bord de son écran. C'était un grand moment, puis je voulais souligner, parce qu'on aime beaucoup Alexis, il nous a fait pleurer de la gang. C'est clair. Il a eu énormément de soutien, dont un soutien qui lui a fait énormément plaisir, hein, n'est-ce pas Alexis? Mais de là-haut, ton père maintenant, il est fier de toi. Parce qu'ils ont tout fait, ces salopards, pour nous diviser. Pour nous diviser. Mais là-haut, tout se règle et on se réunit. Ouais, et je pense que c'est la raison pour laquelle ça nous a tous touchés, ça nous a tous affectés, parce qu'on a tous vécu ça. Moi, j'ai pas parlé à mon père depuis plus d'un an. Je l'ai pas vu depuis 3 ans et demi, parce que je l'avais pas vu un certain temps avant la pandémie. À Noël, c'était le code QR, sinon tu ne rentrais pas chez lui. Voilà. Et puis, je pense que ça nous a tous touchés, parce que tous ceux qui nous écoutent ce soir, je pense qu'on a tous eu des conflits avec soit de la famille, soit des amis, soit des collègues. Alors voilà. Bon, on regarde le petit clip d'Alexis. Nos sympathies à Alexis. On pense à toi. Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. On ne verra pas Trump avec les menottes, mais ce que ça fait, évidemment, c'est que ça crée un précédent. Et là, je ramène ça à une autre idée du cas de Trump, qui est l'effet miroir. Dans le cas de Trump, il y a l'effet miroir, c'est-à-dire que Trump, vous voyez ici, Trump, et dans le miroir, c'est Barack Obama, Trump metteur en scène, établir un précédent dans l'imaginaire collectif américain. Donc, il n'y a jamais eu de précédent dans l'histoire américaine d'un président qui se faisait accuser, puis qui allait en prison, etc. Et donc, il faut, comme je disais, avec l'adrénochrome, là, il faut faire rentrer ça dans l'imaginaire collectif américain, déplacer la fenêtre d'Overton, on pourrait dire, là, afin que les gens puissent accepter que ce soit moins inacceptable que Barack Obama se retrouve avec les menottes au poignet, okay, ou au pied, etc. Donc, établir un précédent dans l'imaginaire collectif américain, la personne qui serait ciblée, si Trump se fait, il l'a toujours fait. Le raid à Mar-a-Lago, c'était ça aussi. Je vous avais dit exactement ça pour le raid à Mar-a-Lago, c'est-à-dire qu'il établissait un précédent. Mais j'avais montré tout ça. Je dis, il établit un précédent et ça va probablement se retourner contre Barack Obama, Hillary Clinton, etc. Et finalement, 2 mois après, ça se retournait contre Joe Biden. Rappelez-vous, le Joe Biden, on trouvait des documents chez lui aussi, et puis etc. Donc, c'est toujours pour établir des précédents dans l'imaginaire collectif américain. Qui n'ait jamais eu de précédent pour une arrestation de président ou une inculpation de président, et que le premier soit Barack Obama, ça aurait été complètement invraisemblable et inacceptable pour les Américains. Mais c'est comme s'il attendrissait la viande, là, t'sais, il prépare, il pétrit la pâte, il prépare le peuple américain, il fait en s'utilisant lui-même comme cobaye afin l'imaginaire collectif à ce qui s'en vient. C'est toujours ça, c'est le cas de Trump. Okay? Et donc, une des constantes, c'est qu'il se fait toujours accuser comme ça. Hein? C'est toujours lui qui est le metteur en scène de ces accusations-là. On l'a vu au moins une demi-douzaine de reprises. À chaque fois, j'ai démontré qu'il était lui-même le metteur en scène de ces trucs-là. C'est compliqué à expliquer, là, mais quand tu regardes dans le fond, il est toujours lui-même le metteur en scène de ces manœuvres-là. Donc, voilà Le lien que je voulais faire avec ça, c'est que tantôt, tu l'as mentionné,
On a toujours vécu dans cette espèce de système-là qu'on ne voyait pas. Et puis Trump a dévoilé ça. Et puis, il a foutu un coup de pied dans la fourmilière et il y avait. C'était. Là, en fait, il mettait par la même tout le monde sur un siège éjectable. Parce que dans la conscience des gens, d'imaginer qu'on était mis sous esclavage depuis des décennies et des décennies. On ne peut pas l'imaginer, ça. On ne peut pas, c'est trop violent. Ouais. Donc, souvent, les gens disent, mais c'est long, etc. Mais si on avait balancé ça il y a 3 ans, regardez l'avancée qu'on a faite depuis 3 ans. Les gens commencent à s'habituer à certaines choses. Si on avait balancé toutes ces vérités il y a 3 ans à tout le monde comme ça. Ouais. Tu sais, il n'y a jamais un seul président dans l'histoire ou ancien président qui a été accusé de quoi que ce soit. Et puis là, maintenant, c'est ce que Alexis explique, c'est que maintenant que lui pourra être accusé, les autres avant lui, et là j'ai nommé ces salopards, comme Alexis aime bien utiliser ce terme, ben, on voit Bush ici, bon, Carter un peu moins, mais Bush, Obama et Clinton, hein, 3 criminels de guerre, Clinton en Yougoslavie, Obama avec l'Afghanistan et puis Bush, ben, on n'a pas besoin de présentation, avec l'Irak, bien évidemment, qui, eux, ont fait une attaque. Et puis, on le voit ici, durant 24 ans, ces 3 criminels, donc Clinton, Bush et Obama, ont envahi illégalement 9 pays et tué des 11 millions de civils. Donc, le fait que Trump soit accusé de quelque chose d'aussi banal, est-ce que ces gens-là vont finir, eux finiront finalement par être également accusés de crimes de guerre ou de choses comme ça? Donc, ça rouvre la porte. T'sais, lorsque Alexis dit on bouge la fenêtre d'Overton, qu'est-ce qui était impensable avant peut-être va le devenir parce que Trump aura des accusations qui s'en sortira assurément. Mais, par contre, je vais faire l'avocat du diable ici, OK? Pour les fins du débat. C'est que disons quelqu'un qui n'a pas suivi le raisonnement d'Alexis, mettons, depuis des années, comme vous et moi, OK? Puis là, il tombe sur ce clip-là que Caroline a clippé où Alexis, il explique ça. Quelqu'un qui tombe là-dessus à frette, là, il trouve qu'Alexis, il pousse fort puis que ça a comme presque pas d'allure. Parce que la prémisse de ça, c'est que Trump serait tellement au-dessus de la mêlée qui contrôlerait même les attaques sur lui, comme si l'opposition contrôlée de Trump serait le système de justice américain. Je trouve que c'est poussé fort pas mal. Tu sais, je respecte cette pensée-là, puis j'écoute toutes ces émissions, Alexis, puis tout. Mais je ne sais pas, je veux dire, c'est dur à avaler pareil. Tu sais, que ça soit prévu de même. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais? Je me mets dans la peau de monsieur, madame, tout le monde qui se dit « OK, Trump, il est vraiment en contrôle de tout, même s'il a l'air d'avoir rien. Moi, j'analyse ses affaires, puis bon, c'est vrai qu'il dit jamais, il parle jamais pour rien dire, il a toujours un sens, puis on voit, il sait où s'en va, mais c'est nébuleux, c'est dur à essayer de le lire. Je suis d'accord avec toi, Cosmo. Je ne suis pas toujours d'accord avec les analyses. Je les trouve très intéressantes et pertinentes. Toi, Sylvia, est-ce que tu crois vraiment que Trump est vraiment toujours en contrôle, comme dit Alexis, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps un coup d'avance? Parce que je t'ai entendu le dire en entrevue, Trump a toujours un coup d'avance. Non, tu m'as pris coups d'avance, ça, j'y accorde au moins un coup d'avance. Je pense que tu l'avais dit avec les journalistes français ou quelque chose comme ça. OK, parfait. Moi, je ne suis pas dans cette analyse, moi. Je suis sur le terrain, donc... Ouais. Comment tu le sens, toi? Ben oui, mais laissez-moi parler. Vas-y. Non, parce que j'essayais de réfléchir. Non, en fait, les analyses d'Alexis sont les analyses d'Alexis. C'est vrai que souvent, on peut voir que Trump a souvent un coup d'avance. Mais quand on voit ce que l'État profond fait et à quel point il a été enraciné, des fois, je me dis que... il est en contrôle, certes,
Mais est-ce qu'il est aussi bien entouré parfois? Je ne sais pas. Donc, j'y modérerai certaines choses. Par contre, ce que je pouvais vous dire, en l'ayant rencontré à plusieurs reprises, d'ailleurs, j'étais invitée à Mar-a-Lago avec mon mari deux fois la semaine dernière, il est dans une forme éblouissante et c'est comme quand on le voit, c'est comme s'il ne doutait de rien. Et ce qui est fabuleux, j'ai ce recul, ce qui est incroyable, c'est qu'il dit toujours les mêmes choses. Alors, il y en a beaucoup qui disent « oui, mais il dit toujours les mêmes choses ». Mais les gens ne comprennent pas. C'est que c'est tellement gros ce qu'il est en train de dire qu'il faut que ça rentre dans la tête des gens. Quand il dit qu'on lui a volé les élections, mais bordel de mince, c'est vrai tout ça. Il le dit, mais il faut que les gens l'intègrent. Pour eux, c'est pas possible. Pour eux, Biden, qui quand il faisait sa campagne, pourtant il faut quand même réfléchir avec sa tête quoi. Il faisait sa campagne, il avait deux tondus et trois pelés. Même moi, si on venait me proposer 10 millions de dollars, mais je leur fais ça pour venir être autour de Biden. Et puis même, c'est la honte d'avoir une photo avec ce. Non, mais sérieux. Donc. Dans la conscience des gens, dans la conscience de la majorité des gens, le travail de sape des médias a tellement été terrible. Alors, d'un côté, je me dis que ben, c'est quand même dur de pouvoir être bien entouré, de faire le travail comme ça devrait le faire. Et d'un autre côté, heureusement qu'on ne sait pas tout. Parce qu'il y a quand même des choses qui se font vachement dans l'ombre. Trump, il a un soutien indéfectible. Quand il a un traître, Trump, mais il sait déjà que c'est un traître. Ouais. Donc, tu crois qu'il piège les gens des fois, Trump, justement, pour voir qui sont vraiment ses associés? Mais bien sûr, parce que pour être à ce niveau-là, il faut piéger les gens pour être sûr de savoir en qui tu vas avoir confiance. Mm-hmm. Tu sais, on dit toujours « garder proche ses ennemis ». Souvent, mais c'est parce que garder proche ses ennemis, parce qu'on sait qu'ils sont, mais ses amis, il faut les tester aussi. Et voilà, et je pense que Alexis, voilà, il a certaines théories, tout le monde n'y adhère pas, tout le monde a le droit de se tromper aussi, mais je trouve que souvent, Alexis, avec le recul, on se dit, ben ouais, il avait raison. Il avait raison. Je vais montrer quelques photos parce que c'est justement parlant d'amis. Disons que toi, tu as fait des amis et des contacts avec le temps. Tu as mentionné que tu étais à Mar-a-Lago la semaine dernière. Tu nous as envoyé quelques photos. Par contre, je suis tombé sur une photo aujourd'hui. Je ne pensais pas la publier. Et puis là, j'ai décidé de la publier parce que, à cause de ta casquette. Parce que ta casquette 1776, donc c'est l'année de l'indépendance, mais non, regardez ça. L'année de fondation des Illuminati aussi. Aussi. Mais regardez cette photo que je suis tombé aujourd'hui. Donc, c'est une photo avec Barron et Donald Trump. Jocelyne, elle l'a postée aussi, cette photo. C'est ça, parce que Barron, il y a 17 ans, parce que j'ai rencontré Barron aussi, qui est très, très grand. Oui, hein? 76 ans de Trump, 1776. Donc, il a eu son anniversaire hier, le 20 mars. Ouais, donc ça rajoute à ma symbologie, là, 20, 21, ben, le baron Trump. Le baron Trump. Ici, on le voit également, ben ça, évidemment, ça, c'est oui, à Mar-a-Lago. Il faut quand même que je dise, hein, ce n'est pas Trump, c'est mon mari. Ça, c'est la blague que j'ai lue sur Twitter. J'aime tellement Donald Trump à marier un sosie. C'est ton époux, vous êtes mariés, n'est-ce pas? On est mariés. En fait, il y a deux ans, parce qu'on est allé plusieurs fois à Mar-a-Lago, on a été invité à la fête des mères et c'était super. Et à ce moment-là, je lui ai parlé, je lui ai serré la main et on a discuté. J'ai eu l'honneur de parler à Mélania et à Baron aussi. Ah ouais. Et génial. Je n'étais pas mariée à ce moment-là. Je n'étais pas mariée. Et il devait filmer. Il a oublié d'appuyer sur le bouton. Oh, pour la demande? Je ne vais pas t'épouser. Je n'avais pas encore dit oui.
Et puis, je lui ai pardonné puisque je l'ai épousé. C'est tellement de rencontrer un amour comme ça. Quelle belle histoire. Et donc ça, cette grande peinture est à Mar-a-Lago, c'est ça? En fait, elle est en exposition parce que ça, c'était vendredi soir. D'ailleurs, j'ai la même robe que quand j'avais fait ma deuxième interview avec le général Flynn. D'accord. Et donc ça, c'est dans le... Non, ça, c'était... cette photo, c'était... Attends, je t'explique la photo d'avant. Pardon. C'était une exposition d'un peintre qui a fait son portrait. Et puis après, on a vu Trump et on a mangé tous ensemble pour Lincoln Day. Et c'est là qu'on a eu ces casquettes-là. C'est pour ça que j'ai mis cette casquette pour aller manifester avec mes patrons. OK, t'as pas acheté la casquette au marché aux puces, là, proche de chez non, toi? Non, elle vient de Mar-a-Lago avec tout ça. OK, c'est bon. OK, wow, OK. Voilà, tu pourrais la faire tirer sur un encan, puis tu pourrais ramasser les fonds avec le ça. Le peintre, et à un moment donné, je prenais une photo, parce que moi, je suis la Miss Gaffe. Et je dis au gars qui était devant, mais poussez-vous, je voudrais prendre une photo du portrait. Et une dame me dit, mais c'est l'artiste. Danse-toi pareil. je veux la peinture, je veux pas l'artiste. Raymond. Et on a sympathisé, évidemment, et puis voilà. Et c'est alors... coordonné maintenant. Et ça, c'était le mardi d'avant, trois jours avant. Et sur la gauche, vous avez Mark Alford, qui est un grand ami de Trump, qui est représentant de la Chambre. D'accord. Et là, par contre, c'était une invitation privée, très privée. On était très peu nombreux et j'étais juste devant. Et à un moment donné, Trump parle du marxisme. Et là, je l'interromps et je lui dis... You were right about everything. Et donc, il me regarde, il me dit, yes, thank you. Mais alors, je filmais et en fait, je lui coupe un peu la tête. Et ça sera dans mes vidéos parce que je n'ai pas eu le temps de poster toutes mes vidéos. Ça et je vais traduire par la petite anecdote. Et il est venu spécialement parce que c'est les photos que j'ai prises. Donc, j'étais vraiment prêt. Comment qu'il est en personne, Donald? Il est vraiment imposant, il est vraiment... Il y a un charisme, une prestance. Il y a deux choses que je peux dire. C'est que, il est charismatique, ça c'est clair, mais il est d'une gentillesse. Alors c'est dingue, hein, parce que c'est complètement en inadéquation avec... Il est toujours là. Tu sais, comme ça, là. Ça. Il est d'une gentillesse, il est très humain. Il a fait des choses, on n'en parle pas de tout ce qu'il a fait, il a fait des choses extraordinaires. Allez sur mon YouTube, Sylvia Miami ou mon Rumble ou Crowbunker, j'ai mis des vidéos où il se bat pour le sex trafficking des enfants. Il fait des choses extraordinaires et on n'en parle pas, mais il ne le médiatise pas, ça. Pour les Afro-Américains également. Pour les Blacks, pour Trump, pour les Latinos, toutes les minorités. Pendant ces quatre ans, on a vu notre pouvoir, on a vu notre vie, mais changer dans tous les sens du terme, les minorités, les classes moyennes. Mm-hmm. Oui. Alors que les autres, c'était toujours les plus riches, toujours plus riches, et les pauvres, toujours plus pauvres. Sous Trump pendant 4 ans, et qu'on ne vienne pas me dire le contraire. Mm-hmm. Ça a été tout le contraire. Écoute, tu me rouvres la porte. Trump a fait un discours à un moment donné, « Never give up », hein, « N'abandonnez jamais ».« Never give up ». Et puis, cette vidéo-là a été sous-titrée en espagnol. Le gars qui l'a publié a 300 abonnés. Il a fait plus de 20 000 vues et des milliers de likes. Imaginez, quand vous avez juste 300 abonnés puis vous faites 20 000 vues, tout ça parce que simplement, il a mis un sous-titre. On ne l'écoutera pas en complet. On va juste écouter un petit 20 secondes. Puis vous allez vous souvenir de ce discours, j'en suis assuré. Mais c'est juste pour vous montrer que les vidéos de Trump sont sous-titrées en espagnol et ça marche très, très fort aux États-Unis. I give you one message to hold in your hearts today. It's this. Never, ever give up. There'll be times in your life you'll want to quit, you'll want to go home. Just never quit.
si vous pensez à un moment donné, vous êtes fatigué, vous avez envie de tout lâcher. Ne lâchez jamais. Puis ensuite, il continue, il dit, j'ai rencontré des gens très intelligents dans la vie, puis ils ne réussissaient pas. J'ai rencontré des gens qui étaient beaucoup moins, mais avec la force, avec la persévérance, avec la détermination. Et la foi, il ne faut pas oublier ça. Et la foi. J'en ai fait plusieurs des rallyes. Le dernier rallye que j'ai fait, c'était à Miami, où j'ai été invitée en VIP. J'avais le t-shirt « I will be back ». Et d'ailleurs, c'était rigolo parce que j'étais très bien placée, on voyait dans les caméras, ils m'ont changé pour que je sois vraiment dans l'angle de la caméra. Il a commencé à pleuvoir. La caméra t'aime, Sylvia. Comment? La caméra t'aime. I love her. Il a commencé à pleuvoir des cordes. C'est encore une vidéo qu'il faut que je fasse parce que je n'ai pas encore eu le temps. Il a plus des cordes. Et il est resté. Parce que quand à Miami, il pleut, je peux vous dire qu'il pleut. J'étais avec tous mes amis haïtiens, les haïtiens pour Trump, les blacks pour Trump, les latinos pour Trump. J'étais la seule française au milieu de tout ça. C'était incroyable. Cette communion, regardez, j'en parle, j'ai des frissons. Il faut le vivre pour le croire. Never, never give up. So, des fois, oui, comme vous, comme moi, comme tous, on a des moments de faiblesse. Ouais. On pense à tout ça, à tout ce qui se ramasse dans la tête depuis 6 ans. Mmh. Never give up. Ouais. Parce qu'on se bat pour la liberté, on se bat pour notre souveraineté. Mmh. Et c'est un travail de longue haleine et c'est un travail quotidien. On peut se plaindre de temps en temps, mais après, il faut fermer la porte. OK, je me suis plaint. On se met un mouchoir de poche et on continue. Ouais. Je pense que Donald Trump était vraiment... La foi, pardon, ouais. La foi. Ouais. Il y a toujours un hymne, il y a toujours une prière. Je suis catholique. Ouais, je suis allée à la messe et tout, mais rien à voir avec la foi, parce que les gens d'église, je ne les aimais pas vraiment. Maintenant, c'est... Voilà, bon, je ne les aimais pas vraiment. Mais là, quand vous êtes baigné là-dedans avec tous les patriotes, eh bien, ma foi... Elle a explosé dans mon cœur, elle a grandi. Je ne vais pas à la messe, hein. Mais j'ai une foi bien plus importante que les gens qui sont cul de bénitier. C'est dans l'air du temps, ah, ça, Sylvia. Ouais. C'est la même chose pour moi. On ne se gêne pas, on est catholique. Nous autres aussi, on en parle souvent. Peu importe, catholique ou pas catholique, on peut être protestant, on peut être différentes choses. Ouais. C'est la foi dans toute sa grandeur. Mm-hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ben oui, parce que c'est ce qu'on voit qui est attaqué le plus, avec le plus de c'est vigueur. Ça, c'est attaqué les chrétiens, les croyants. Regarde, c'est le pire ennemi des mondialistes, parce que c'est le meilleur ami du nationalisme. Fait que même si j'avais été non-croyant, par exemple, mais je serais du côté des croyants maintenant, parce que c'est clair. Mais on voit que Trump, c'est notre homme, parce qu'on voit que les mondialistes l'attaquent si fort. On voit que la religion catholique ou la chrétienté, c'est la vraie chose parce que c'est ce que les mondialistes attaquent le plus fort. Donc, on disait tantôt, les médias, on fait le contraire des médias. Si les médias parlent de quelque chose, on fait le contraire. Oui. Mais c'est la même chose avec la foi, c'est la même chose avec la politique. C'est vraiment, tu sais, on peut ne pas être d'accord, mais il y a une chose sur laquelle on peut se rejoindre. C'est quand tu vois ce wokisme, quand tu vois... Moi, j'ai plein d'amis gays, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Et ils sont effarés par tout ce qui est en train de se passer, le wokisme, etc. Quand tu vois que dans des écoles, tu as ces espèces de choses qui vont commencer à leur dire à des enfants de 4-5 ans. Les démons, les démons aux cheveux pleins de couleurs. Avec des... des démons au Canada là, avec des seins. T'es sûr d'être un garçon ou une fille? Double Z. Et les parents qui emmènent les enfants dans des striptease de drag queen et qui leur font mettre des billets. On en parle à chaque semaine, Sylvia. Tout à fait. Ouais. À chaque semaine, on en fait, c'est notre spécialité, je pense. Et après, on t'interdit d'aller dans les églises et d'avoir. En fait, ils ont voulu détruire la cellule familiale. Dans toute sa splendeur. Ah, ça, c'est un projet qui date depuis très longtemps. J'ai aimé ce que tu dis tantôt, Cosmos, tu dis que Donald Trump, c'est un populiste, donc c'est un nationaliste et c'est la raison pour laquelle les mondialistes s'en prennent à lui.
Au sud de la frontière des États-Unis, il y en a un autre populiste, mais un populiste de gauche, un socialiste, López Obrador, le président mexicain. Okay. Et puis, coup de théâtre ce matin, López Obrador, lui, fait une conférence de presse. Il n'est pas comme Biden, lui. Lui, fait une conférence de presse à tous les jours qui dure généralement environ une heure. Où est-ce qu'il se fait poser des questions à tous les jours? Et puis, ce matin, il s'est exprimé par rapport à Trump. Je n'ai pas la traduction. La vidéo dure une... Je vais juste mettre les 15 dernières... C'est en espagnol ou en anglais? C'est en espagnol. J'ai juste les 15 dernières secondes. Okay. Je vais les faire jouer. Tu parles espagnol, toi, je pense. Je vais les faire jouer, puis après, je vais paraphraser, okay. Parce que, bon, mon niveau d'espagnol n'est pas... Je ne peux pas faire une traduction littérale. Okay. Mais quand même, portez attention à ce que López Obrador dit. Puis, justement, ce que Sylvia dit, là, c'est pas juste... On sait que, malgré les différences socialistes, López Obrador... capitaliste Donald Trump, on sait que les deux s'entendaient quand même assez bien, malgré tout. Je vous le fais jouer, on revient tout de suite. De la fabrication d'un delito, parce qu'ils ne voulaient pas que je fosse candidat. Il dit la fabrication d'un délit qui se n'est pas produit parce que Trump sera candidat. Et eso es. C'est quoi ça? Completamente antidemocratico. C'est complètement antidémocratique. Donc, le président mexicain, le président mexicain qui dit que les accusations contre Trump, c'est des fabrications parce que Trump sera candidat en 2024 et que c'est totalement antidémocratique. Toi, tantôt, t'avais la chair de poule, Sylvia. Là, c'est moi qui l'ai. Mais en tout cas, je pense qu'on a-tu la réaction de Justin Trudeau là-dessus qui dénonce le système de justice américain également? Ah, on me dit qu'on ne l'a pas, malheureusement. Non, pas cette semaine. Cosmos, vous êtes gâté avec lui aussi, hein? Macron, Trudeau, on est dans. On joue dans la même pièce de théâtre. Là, on est dans la même histoire. Ouais. Des marionnettes du World Economic Forum, des Young Global Leaders, c'est, vous en avez aux États-Unis, Gavin Newsom est là-dedans aussi. C'est Kamala Harris, en tout cas, la gomme de les plus populaires de la gauche. Oui, mais Sylvia, c'est la plus chanceuse parce que regarde ici une autre photo, Mar-a-Lago, ça c'était pour le Lincoln Day le 17 mars. C'est vendredi, ouais. Donc, tu étais encore présente sur donc, place. Donc, tu as entendu des discours exclusifs qui ne sont pas disponibles sur Internet ou comme ce discours-là? Je les mettrai en ligne, mais je ne ferai pas. Alors ça, je vous explique. Donc, vous voyez, l'artiste est au milieu. Ah, d'accord. Est au milieu. À la droite de l'artiste, c'est notre ami Robert Sutton qui fait beaucoup de choses pour les Patriotes. Et à l'extrême droite, c'est Dragos, mon ami Dragos. Qui est roumain, qui a une histoire exceptionnelle. Il est C'est une pièce d'homme, hein? C'est un ancien lutteur. Il est arrivé aux États-Unis avec rien. Il a commencé dans la restauration et maintenant, il est millionnaire. Le rêve américain. C'est exactement le rêve américain. Et puis, il se bat parce que pour lui, c'est le pays de la liberté. Il ne veut pas perdre cette liberté. Il veut pas perdre... Il veut que l'Amérique reste... American Dream. Je ne veux pas que ça devienne le Canada, finalement. Alors ça, c'est Mark Alford que vous avez vu que Trump a... Pour qui Trump s'est déplacé pour faire un discours et le soutenir, puisqu'il rejoint sa place de représentant de la Chambre parce qu'il se représente tous les deux ans. Derrière, c'est la jolie blonde, c'est sa femme Leslie. À droite, c'est mon amie Nathalie Hélion, qui a écrit ce livre « Legacy ». Qui est ici en français héritage, dont vous entendrez parler parce que de plus en plus de congressmen, c'est le livre va arriver entre les mains de Trump et c'est déjà entre les mains du général Flynn. Un livre à retenir tout ça. Donc voilà ici avec le livre. Alors ça c'est le livre, c'est au secrétariat de Trump, mais je lui remettrai en main propre. Ça c'est mon but. Et là, la lettre que je tiens, c'est, ça vous concerne, c'est par rapport aux vétérans canadiens qui m'ont envoyé un courrier que j'ai remis au secrétariat de Trump. Ah, wow! Voilà. Pour le Canada, ça, c'est un courrier pour le Canada.
Moi, d'ailleurs, j'ai été contacté par un vétéran qui me disait « Ah, est-ce que je pourrais être sur le show ce soir? Sylvia me connaît, je dis « Écoute, ce soir, c'est vraiment notre invité d'honneur, puis on aimerait lui laisser tout l'espace, mais éventuellement, on fera quelque chose, assurément. » Et donc, ben voilà, mon mari est toujours… Et on est… En fait, Grégory a fait des études de musique et Marc et Leslie sont du Missouri. Et donc, on a plein de choses en commun. Et puis, on est invité au Missouri quand on veut. Ça, c'est ça, le décor qu'on voit en arrière, c'est ça, Mar-a-Lago? Oui, c'est Mar-a-Lago, oui. OK, mais pourrais-tu nous décrire un peu, ça a l'air de quoi? On entend parler tout le temps, mais lorsqu'on va là, c'est un club de golf. Je vous ai fait des vidéos, donc je vous montrerai tout ça. Mais non, mais explique-nous un peu, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu me l'as envoyé, celle-là, Sylvia, la vidéo? Parce que lui, Donald Trump, il demeure là, sa maison est sur le terrain, là. Mais en fait, c'est très grand. Je ne pense pas qu'il va dormir dans ce bâtiment-là. Il y a différents bâtiments. OK. Et donc, ce jour-là, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on ne rentre pas comme ça à Mar-a-Lago. Il y a toujours les services secrets. On a toujours une enquête de services secrets. C'est okay. Pas parce que j'ai pu rentrer il y a un an, par exemple, que je vais pouvoir rentrer demain. Ben, toujours une enquête sur toi. C'est sûr, là, tu as parlé à Cosmos, petit Albert, peut-être que ça va te compromettre. Alors, c'est moi qu'on traite parfois opposition contrôlée. L'opposition contrôlée, oui, il y a une enquête, on a toujours une enquête, mais là, on sent qu'il y a de plus en plus de sécurité. De sécurité, oui. Et la deuxième fois pour Lincoln Day, là on était fouillés. On a une première sécurité, une deuxième et une troisième sécurité. Ah oui, à ce point-là. Hein. Mais ça n'arrivait pas avant. Oui, mais là, peut-être que c'est Donald Trump qui devra être fouillé la semaine prochaine. On ne sait jamais, on verra bien. Ça serait bien drôle. Moi, je trouverais ça drôle qu'il se fasse arrêter parce que… Ça va amplifier sa notoriété. Donc ça oui, Chris Rock a fait une blague là-dessus hier, justement, à New York. Il faisait un spectacle et puis où il était dans une réunion parce que le son est très mauvais. Et puis, Chris Rock, qui est un humoriste américain, et puis il le dit lui-même, il dit, ils comprennent pas, il dit, c'est comme Tupac. Quand Tupac s'est fait tuer, les ventes de disques ont explosé. Il dit ça la même chose. Si Trump se fait arrêter, ces idiots-là ne comprennent pas que finalement, ça renforcerait la théorie d'Alexis ici. Tu sais, que ça le rendrait plus fort. Tu sais, c'est comme, nous autres, on blaguait que quand on se fait couper nos vidéos sur Facebook ou YouTube, ça nous donne de la street cred, ça nous donne de la street credibility, tu sais, parce que ça prouve que ce qu'on dit, ça dérange, fait qu'on est censuré, fait qu'on le prend de même, mais c'est un peu la même chose pour Trump dans ce cas-ci, peut-être. Je vais mettre une petite vidéo aujourd'hui. Tu étais à Mar-a-Lago, justement, le pouls de la situation, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont manifesté. Bon, à New York, il n'y avait pas grand monde. Puis là, je le sais, les détracteurs de Trump ont dit « Ha, 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 regardez. » New York, c'est démocrate. Hein? New York est détruit quand même. Hein? Ben, c'est ça. On peut pas comparer New York et Palm Beach, là. Hein? Ouais, ben en fait, ben, à New York, qu'est-ce qui était assez spécial à New York, en fait, c'est que c'est un spectacle, bien évidemment. Regardez, je vais vous mettre trois vidéos à New York. Et puis ensuite de ça, je vais vous mettre les vidéos de Sylvia qui était à Mar-a-Lago aujourd'hui. Ben, pas à Mar-a-Lago même, en face, j'imagine, c'est ça? Oui, aujourd'hui, j'étais pas là parce que j'ai cette chance d'être à l'intérieur, d'aller à l'intérieur et d'être à l'extérieur aussi. Ouais. Donc, j'ai les deux vues et j'ai pas eu le temps de vous envoyer tout. Donc, j'ai eu un petit problème technique sur mon téléphone. Mais bon, tu pourras raconter. Il n'y a pas de souci, tu nous en as envoyé quelques-unes, mais on va commencer avec New York. On va vous montrer l'ambiance. C'est une pièce de théâtre. Il y avait deux manifestants devant le palais de justice pour à peu près 30 journalistes. On regarde ça. Ils attendaient Donald Trump. Il espérait avoir Donald Trump avec des menottes, là. Regardez la quantité. J'ai dit 30, sont plus que 30, sont quoi? Une cinquantaine, c'est ridicule. Bon, mais je pense que tous les patriotes qui sont au courant de ce qui se passe savent que New York est un piège, que personne ne doit se rendre là. Même si Trump dirait « Venez protester à New York », les gens feraient « Non, non, on sait ce qui s'est passé la dernière fois, on va laisser faire. » Regardez ça, c'en est une autre. Il y avait deux manifestants.
deux manifestants anti-Trump et regardez-moi tous les journalistes qui étaient là à prendre des photos. C'est ridicule. C'est presque un mime. Tu sais, on pourrait vraiment faire un mime avec ça. Tu sais, là, des fois, il y a des mimes là, dans ce style-là que les médias ils regardent ailleurs pendant que le rhinocéros... Donc, en train de faire l'amour en arrière. Ouais, donc là, vous voyez les deux manifestants, ils sont deux. Hein? Donc, ils sont pas 20, ils sont pas 30, ils sont deux manifestants avec des pancartes. Et regardez, c'est pour l'opération photo, les photos qui feront le tour du monde demain dans les journaux. Wow! mais il y a même des faux partisans de Trump aussi. Hein? Ah là, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Kind of like the Bob Dylan thing. Alors, avant de passer les vidéos de Mar-a-Lago, il faut que je vous explique. Ouais. C'est que hier, je me suis rendue devant Mar-a-Lago. Et en fait, il y avait personne parce qu'en fait, j'y suis allée à midi et j'ai vu aucun patriote. Par contre, c'était full de photographes. Heureusement, j'ai trouvé une place. C'était full de photographes et de journalistes, etc. Alors, donc, c'était un peu comme ça, mais avec le beau. Enfin, il faisait froid hier. Et après, j'ai dû partir parce que j'avais un rendez-vous. T'étais pas au Québec. Et j'ai mes amis, ouais, c'est vrai. Et j'ai mes amis qui sont allés. Il y avait du monde hier. Mais j'étais pas là parce que je pouvais pas à ce moment-là y aller. Et aujourd'hui, par contre, c'était le contraire. Aujourd'hui, j'étais en formation et j'ai quitté une heure avant. J'ai dit, il faut que je parte. Et je suis allée rejoindre les Patriotes, mais il était déjà tard parce que les Patriotes étaient sur place depuis le matin. Et quand j'y suis allée, il y en avait un peu moins, mais en fait, il y en a qui partaient, il y en a qui venaient, il y en a qui partaient, il y en a qui venaient. Mais le gros des personnes était là de midi à 15 heures. Mais pour le coup, aujourd'hui, il faisait chaud par rapport à hier, parce que hier, j'avais la jaquette et l'écharpe. Non, d'accord. Non, des fois, tu fais pitié, c'est ça. Des fois, on perd 10 degrés en 10 heures ou 4 heures. Là. Oh ouais, bah nous, on a perdu à peu près 20 degrés dimanche en quelques heures. On m'a dit, Nathalie, parce que... Ah, mais c'est le printemps, pareil. Ah oui, c'est le printemps, on est content. Et toi, Arras, vont ouvrir bientôt. Moi, quand j'appelle Cosmos, il dit, oh, je vais fumer, je vais remettre mon... Mon manteau d'hiver, ouais, c'est sûr. Fait qu'on va commencer avec une que j'ai trouvée vraiment très, très bonne. Ben, en fait, c'est une photo que tu nous as envoyée. ici, donc la photo... juste un instant. Pour avoir la vidéo, c'est trop drôle. Oui, non, mais c'est ça exactement. Et puis la deuxième photo ici, là, puis on a la Marie, vidéo. Là, c'est mélangeant. C'est ton mari à côté de toi ou... Non, c'est... T'as vu, même les chiens aiment Trump. Oui, tout le monde aime Trump. Bah, tout le monde. En tout cas, nous, on l'aime. On regarde la vidéo de cette... Le peuple. Parce que le peuple ne se trompe pas. Oups, pardon. I kissed you. One more time. Oui, on veut plus, ça va encore. All the dogs love Trump. All the dogs love Trump. Ah, mais il a l'air content, le dog. L'atmosphère était bonne, on dirait bien. Non, mais... Et avec ma Cindy, ça, nous partons, Cindy. On va faire le chemin ensemble. Parce qu'elle ne portait pas le masque, elle était en prison, en Floride. Comment tu dis, elle était en prison? Je vous dirai après. In France, we say, un kilomètre à pied, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. Deux kilomètres à pied, ça use. I like the beat. D'ailleurs, ce gouvernement devrait être arrêté et le nouveau gouvernement devrait être par We the people, nous le peuple. Whoa, that's right. Liberty. Liberté. Liberty, freedom. Freedom. For all of us around the world. Yes, all because of us. It's not only the eyes are on America. Exactly, but it's not only USA. No, it's everywhere. When we get free, you'll be free. We all will be free. But we have to do our part. Exactly. Each one of us has to play a role in it, which means we have to learn how to stand. Exactly. On a tous un rôle à jouer. Exactly. On a tous quelque chose à faire. Chacun de nous doit faire sa part. C'est vraiment important, ça. Everybody has to be concerned. On doit stand up. Yes. On doit être debout pour se battre pour nos libertés.
Yes. Think about this. Now, how many of there are all of you? Think about that. How big is that number? Yes. Now, how many of them are them? Exactly. In the government? Alors, elle relève un point très important. Elle me dit, regarde, Sylvia, combien ils sont dans le gouvernement et combien nous on est. Ils devraient avoir peur de nous. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour tous les pays du monde. Yes. C'est eux qui doivent avoir peur de nous et non pas nous avoir peur d'eux. Regardez le nombre. Parfait. Et on se protège ensemble et on garde un œil sur chacun d'entre nous. C'est ça qui est important. La solidarité. Exactly. Et les lois doivent nous protéger, nous, et pas eux. Et ça, ça doit changer et ça va changer. C'est pour ça qu'on doit connaître la Constitution. 1776. Exactly. Whatever she said. Whatever she said. Hey, vous êtes chanceux de l'avoir, cette Constitution-là. Alors, vraiment, là. Je vous explique l'histoire de Cindy parce que vous, vous savez peut-être pas. Non, je la connais pas. Cindy, j'ai fait des vidéos avec elle et Fiona aussi qui était obligée de porter le masque à l'école et qui a refusé. Et au bout de 38 fois, elle a été réintégrée. Donc, on a suivi cette histoire-là. Voilà, c'était aussi avec Cindy. Cindy qui est rentrée dans un restaurant à Palm Beach et qui a été arrêtée. Ils l'ont foutue en prison. En Floride, hein, et elle a écopé de 2 ans de prison. Wow. À cause qu'elle portait elle pas le masque. Elle est allée en prison parce qu'elle ne portait pas de masque. Alors, quand on dit que tout se passe bien en Floride, ben moi, je démontre avec les vidéos parce que j'ai des cas d'école. J'ai Fiona, parce que je la connais, Fiona, je l'ai interviewée à plusieurs reprises. J'ai Cindy, j'ai mon cas personnel avec Grégory dans notre immeuble où ça a failli finir à oui, je me rappelle cette histoire-là, vous savez. Voilà, et donc la petite vidéo, vous voyez 1 kilomètre à pied, ça use. Je l'ai envoyé au général Flynn tout à l'heure. Ils ne comprennent rien parce que les autres, ils marchent en mille, vrai qu'ils disent 1 mille à pied. Je lui ai expliqué ce que c'était, tu vois, parce que des fois, c'est rigolo, quoi. Tu nous as envoyé une autre vidéo qui nous montrait l'ambiance qui régnait. Parce qu'en fait, excusez-moi, j'ai pas pu vous montrer toutes les vidéos. Ça, c'est la fin. On marche parce qu'en fait, on marche 1,5 km parce qu'on a dû mettre les voitures loin. Mmh. C'était à la cause fin. De sécurité, OK. Ouais, beaucoup de sécurité. Parfait. Regardez, all lives matter. Toutes les vies comptent. Même celles de nos chers animaux et encore plus celles de nos animaux. Oh, regarde comme tu es beau. Je ne crois pas qu'il l'oublie avant de partir, par exemple. Regardez parce qu'il a. Regardez comme il est tout petit. Regardez la grosseur de l'os. Non, moi, il ne s'ennuie pas. Think big. C'est un F650, c'est quoi? C'est un tabarnak, même. Yeah, un F350, voilà. Il a un big bone. J'ai dit, il a un gros os. Hello. It's more my French people. I make a video. Oh, you can connect with us right here. Oh, we have a pleasure. On top. You represent Grant? It's been a ways, but... What is your name? My name is Anne. Dan? Anne. Ah, Anne. Mm-hmm. Alors, Anne, elle est venue du Missouri pour supporter wow. Trump. Bravo, Anne. Bravo. I say you came from the Missouri to support Trump. Yes, ma'am. Everybody was thinking he will be arrested. I say no. I don't believe it. No, we have nothing to rest on. We will be because we are standing on the Constitution of the United States. Exactly. And the only people who could arrest us is the rebels themselves who happen to be propitiating all of this hatred. Exactly. They're actually pushing the drugs, they're actually pushing the alcohol, they're pushing the sex trafficking, the child trafficking, exactly. The aborted children, their parts got sold on the black market. Exactly, I know. Donc Anne me disait qu'elle est venue du Missouri parce qu'elle supporte Trump. Il a fait beaucoup de choses et c'est pas lui d'être arrêté. C'est tous les gens qui font du trafic de drogue, qui sont des meurtriers, qui prennent les enfants, le sex trafficking, le rap des enfants, etc. Il faut absolument supporter notre constitution. C'est ces gens-là qui devraient être derrière les barreaux. Voilà ce qu'elle vient de me dire. Et elle rajoute aussi, elle me l'a dit en off là, ils se battent pour les valeurs familiales,
pour la vérité, parce qu'on est en train de nous bousiller tout ça. Merci beaucoup, Anne. Et surtout, une chose importante, she believes in God. Yes, she believes in God. God bless you. Est très croyant. Le général Flynn est très croyant. On a affaire à des gens qui sont croyants. Mais la vraie croyance, pas les gens qui vont à l'église et qui après font toutes sortes de saloperies. Oh, regardez, sur la fenêtre, il y a marqué, je ne sais pas si on le voit, We the people! And did you see, I put my casket, I was in Mar-a-Lago on Friday for Liberty Day. And yeah, 76. En tout cas, cette constitution-là que tu parles de 1776, là, ce qui est écrit dedans, c'est ce qui protège les États-Unis, mais c'est ce qui protège la dernière lumière d'allumer au monde. Si cette lumière-là s'éteint chez vous, c'est terminé. Elle ne s'éteindra pas. Elle ne s'éteindra pas. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est que les Américains sont foncièrement gentils. Et je disais, est-ce que vous voyez... parce que j'ai d'autres vidéos vachement sympas, mais je ne vous les ai pas données parce que j'ai un petit problème technique. Mais je disais, est-ce que Biden, il a des partisans aussi sympathiques comme nous, quoi? Ben, ils sont habillés tout en noir, généralement, avec des avec cagoules. Des masques. Ils s'appellent Antifa. Ils ont les cheveux rouges. Sur TikTok, ils ont bien drôle. Non, Cosmos, Antifa, c'est juste une idée. C'est juste une idée. Ah, OK. Tu affabules. Ben, c'est vrai. Moi, justement, ceux que j'ai rencontrés, souvent, c'est ça. Les démocrates de Boston, de New York, sont très hautains. Ils regardent de haut. Mais les républicains, là, ceux que j'ai rencontrés, c'est vraiment des bonnes personnes, des personnes humaines qui aiment le contact, qui aiment les autres. Et puis, c'est vraiment... voilà. Par contre, on va faire une petite pause. J'avais envie de vous montrer une vidéo que j'ai trouvé avec la chanson thème, hein, God Bless the USA, la chanson thème. L'introduction, avant chacun de ses discours. Avant chacun de ses discours, il met cette chanson-là, puis il se présente, puis ouais. Il lance ses casquettes sous cette chanson, cet hymne. Qui sont fiers d'être américains. La chanson est magnifique. Là. La chanson, c'est une version remix. Par contre, ils ont fait un montage avec des séries, des films, des choses comme ça. Puis, ce qui est drôle, il y a énormément d'acteurs dans ce montage-là qui sont pas républicains. La place publique, mais peut-être que dans le fond. Parce que toutes les vedettes sont obligées de dire qu'il y a Trump. Mais quand ils sont chez eux, tu sais... Ouais, ils n'ont pas le choix. Ben, on va écouter ça ensemble, puis il y a énormément d'émotions. Comme Cosmos dit souvent, le poil sur les bras. Là, on y va. Préparez-vous, on regarde ça ensemble. Je ne les enlève pas justement pour ça. Ah ouais, mais lui, Cosmos, il est grayé, comme qu'on dit au Québec. Hi, perhaps you recognize me. It's your favorite president. If tomorrow... I am asking you to choose greatness. It comes from China. That's why. I just want to say that this is my honor. You are so lucky, thank my lucky stars to be living here today. Mr. Trump. Yes. Are you Batman? I'm Batman. The greatest jobs president that God ever created. Gonna have jobs. I love this guy right here. Somebody said to me the other day, you're the most famous person in the world by far. I said, no, I'm not. No, I'm not. He said, yes, you are. I said, no. He said, who's more famous? I said, Jesus Christ. Jesus Christ. Keeper of promises. One nation, under God. We're all looking at the exact same thing. There are two camps that are seeing two different things. And I do believe that the people that are so entrenched in their negativity, they're led largely by emotion and they can't let go. The key is to separate the psychological effects of Trump
from the practical results of his actions. That's how you're going to end up judging this guy. This is a phenomenon. Feel good moment. I like it. Magnifique. OK. Well, est-ce que je vous mets de l'émotion? Vous savez, il y a des différentes manières de gérer de l'émotion. Ils font ça. Ils nous donnent de l'émotion positive, de l'émotion négative pour nous brasser, pour nous manipuler. Donald Trump, c'était un des seuls présidents, un des présidents dans l'histoire moderne à ne pas avoir déclenché une guerre. Je vais vous montrer maintenant une vidéo d'un autre président qu'on a tous détesté, qui faisait partie de l'ombre. Et puis, tu sais, quand on parlait de criminels de guerre, ça, c'en est un. On a eu de la belle émotion, là, je vais vous en générer de la négative, puis elle va être probablement encore plus forte. Et puis, il faut se souvenir à quel point Donald J. Trump était un grand président. Et puis, j'espère qu'il sera réélu en 2024. On y va avec cette vidéo-là qui cogne. Il poisonne ses propres gens. Il ne croit pas en la valeur de chaque individu. Nous devons faire tout ce que nous pouvons faire pour stopper le terror. Now watch this drive. Are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a terrorist. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. Ouais, tu me casses le party pas mal, toi. Ben, je vous casse le party, mais je voulais vous montrer quelque chose parce que Donald Trump avait fait une entrevue à CNN sur Bush. Et puis là, je vais te demander tes talents de traducteur, Cosmos. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que Trump, c'est pour ça qu'ils veulent le faire tomber. Parce que Trump n'est pas comme les autres présidents, il n'est pas un pantin. Trump n'a pas engagé des guerres. Trump a sorti les Marines, puis les GI, puis les Boys d'Afghanistan. Il a réglé la guerre contre ISIS qui durait depuis 6 ans, où est-ce que Obama disait qu'on ne pouvait rien faire. Il a réglé ça en moins d'un an avec l'aide de Poutine. C'est le complexe militaro-industriel. Puis en même temps, Trump, il a donné des plus gros contrats dans l'histoire de l'armée américaine pour renouveler et puis donner de l'équipement à l'armée américaine sans faire la guerre. Donc, il a quand même donné de l'argent au complexe militaro-industriel, mais sans même faire la guerre. Parce que avoir les capacités militaires, c'est aussi puissant que faire la guerre elle-même. Puis je vais vous montrer ce petit clip-là, si tu peux le traduire. Ouais. Je vais faire le pont, en fait, avec ce clip-là. Et puis, ben, la guerre de Bush, évidemment, qui a fait plus d'un million de morts civiles. I was surprised that she didn't do more in terms of Bush. Surpris qu'elle n'avait pas fait plus pour aller après Bush. She was going to really look to impeach Bush and get him out of office. On dirait qu'il était pour l'impeacher Bush puis pour le sortir du bureau. Ça aurait sauvé la guerre parce que comme ça on n'aurait pas eu de guerre. Well, he lied. He got us into the war with lies. Il a menti puis il nous a emmenés dans la guerre à cause d'un mensonge. Puis tu regardes le problème, les problèmes que Clinton a eus avec ça. Avec des choses qui n'étaient vraiment pas importantes. Puis maintenant, on a Bush avec des mensonges, puis en disant qu'il y avait des armes de destruction massive. Plein de choses qui se sont avérées pas vraies. C'est ça. C'est ça, Donald Trump. Donald Trump, tu peux l'aimer, le pas l'aimer. Parce que mais... ça, là, ce que je viens de dire, là, on devait être en 2006-2007, j'imagine. Là. C'est avant, oui, c'est avant même qu'il se présente comme président, c'est effectivement. 10 ans avant, au moins. Exactement. Mais il s'en est toujours mêlé. Tu sais, dans sa tête, il a toujours dit son opinion sur comme qu'est-ce qu'il ferait si lui était président, même dans les années 80 à Oprah. Et puis toujours, il a toujours mis son grain de sel. Il était toujours comme en stand-by. Tu sais, pendant 20 ans, Roger Stone a essayé de le craquer pour qu'il aille. Il est allé pour... À notre grand plaisir, puis une chance, il nous a réveillé toute la gang. Il fait que nous trois ensemble, on est là ce soir avec des centaines de personnes, puis il va y avoir des milliers de personnes qui vont voir notre conversation. On peut le remercier pour tout ça, c'est fantastique. Hey, Sylvia, moi, il y a un journaliste tantôt qui voulait te poser une question que je trouvais bon, mais je voudrais que tu revenais là-dessus parce qu'on en a parlé, petit Albert et moi, souvent. J'en ai parlé hier à mon émission.
tu es en Floride, Ron DeSantis. Ron DeSantis, on l'a trouvé super, gouverneur incroyable. Maintenant, il y a une théorie qui dit qu'on tente de faire monter DeSantis contre Trump pour que les deux s'affrontent aux primaires, qu'ils s'affaiblissent chacun en s'attaquant. Puis, donc, ça serait envoyer une... On tenterait d'envoyer des... une guerre intestine. Du lobby commandité par Soros pour influencer DeSantis à attaquer Trump. Trump a attaqué DeSantis un peu sorti de nulle part. Comment tu vois... Qu'est-ce que tu penses de DeSantis, premièrement, puis comment tu vois leur affrontement potentiel dans la prochaine année? Comment tu vois ça, toi? Vu que tu es de Floride. Bon, tu sais, personne n'a la vérité infuse, comme je le dis souvent. Et souvent, on peut voir des choses et c'est complètement le contraire, parce qu'il y a aussi des jeux de stratégie qu'il ne faut pas oublier. En tout cas, en ce qui me concerne, ce qu'il a fait pour la Floride a été... formidable, ouais. Même si nous, hein, Grégory et moi, et d'autres personnes qui vivaient autour de nous, n'en ont pas vraiment bénéficié, parce qu'on était comme si... J'ai une copine qui habite en Tania, qui se reconnaîtra, qui habite à Los Angeles. Elle était plus libre à Los Angeles pendant le Covid que nous, là où on vivait, à Miami. Hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent par quoi on est passé. Mais c'est bien que ça nous soit arrivé, parce que on a pu montrer que, ben voilà, ça nous arrive, mais on se bat. Et il a fait quand même énormément de choses. Et les gens ne comprennent pas que, parce qu'ils me disaient, mais pourquoi ça t'arrive alors que toutes les restrictions sont levées, etc. Je dis, mais les comtés qui sont restés démocrates continuent leur tyrannie malgré tous les décrets qu'a signé DeSantis. Il a fait un travail remarquable. Mais il ne faut pas oublier que s'il est à cette place, c'est grâce à Trump. Ouais. Il n'aurait pas eu Trump, il n'aurait jamais été gouverneur. On n'aurait pas parié un seul copec sur lui. Et la confiance que Trump lui a faite, il en a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que on n'aurait pas pu avoir un meilleur gouverneur que DeSantis. Ah, on vous a envié tout au long, les trois dernières années. Presque à chaque jour, on retweetait des affaires de DeSantis, qu'on l'enviait, on aurait espéré que notre premier crétin des ministres ici, de Legault, soit inspiré par lui. Mais tu sais, on le considérait, tu sais, il y avait Poutine, maintenant, comme on considère Poutine. Pendant la COVID, c'était DeSantis qui était Poutine là, pour les Québécois. Là. Et pourtant, on sait qu'il a fait des choses extraordinaires. Pourtant, il y a plusieurs personnes dans certains comtés de Floride qui n'en ont pas profité, qui ont été aussi... tu sais, j'ai des gens qui sont venus me visiter, ils n'y croyaient pas à ce qu'ils ont vu. Parce que beaucoup de gens vont de la Floride sans dire les problèmes qu'il y a. Et je pense que je suis une des rares en Floride à avoir montré les deux côtés. Les côtés formidables, paradisiaques, et les côtés, les problèmes quotidiens qu'on rencontrer. Parce que ceux qui veulent migrer, on leur doit la vérité. Ils doivent savoir le pour et le contre. Enfin bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Et donc, tu me posais la question. Ben, l'avenir, l'affrontement, la présidente, les attaques d'un et l'autre. J'ai compris. Alors, on m'avait posé ça il y a un certain temps et je ne voulais pas trop y croire à ça, parce que il y a encore pas très longtemps, il se recevait à Mar-a-Lago, etc. Et il travaillait dans la même direction. Quand vous voyez le programme de DeSantis, c'est le programme de Trump. Ils vont exactement dans la même direction. Après, il y a eu cette histoire de Soros et tout. Mais on sait bien que les médias peuvent être complètement manipulés. Qui vous dit que DeSantis, qui n'a pas été manipulé à son insu par rapport à ce soutien complètement hyper gênant de la part de ce salopard, tu vois? On ne sait pas ça. Mais Soros... DeSantis tricote avec Soros. Soros en ménage. D'ailleurs, regardez, j'ai le clip, un petit clip de Soros qui a fait beaucoup jaser, justement, où est-ce que Soros... Il parle de DeSantis. Il parle de DeSantis, justement. On l'écoute ensemble, on revient tout de suite. OK, après... Pardon? Et après, je finirai d'expliquer ce que je voulais. Oui, parfait. Cette petite mise en contexte. Voilà. Tu vas le traduire, j'imagine, c'est en anglais? Oui, c'est en anglais. Par contre, les textes sont en anglais, sont écrits, donc ça va aller mieux. 2024. Mon espoir pour 2024. C'est que Trump et que le gouverneur DeSantis de Floride, second amendement,
se battre. Trump s'est rendu comme une figure abominable. Donc, les grands donateurs l'abandonnent en ce moment pour DeSantis. Puis DeSantis, il est ambitieux, puis il a peur de rien. Ouais, ça, c'est le bout. Ça, c'est le bout. C'est ça, c'est le bout qui a fait jaser beaucoup. Et qui n'est pas aussi rude que le... Donc, probablement qu'il sera... le candidat républicain. En fait, c'est son souhait, tu sais, dans le sens où c'est la personne qui pourrait battre Trump. Si Trump est le plus grand ennemi, on va dire, OK, on va souhaiter que le deuxième meilleur batte le meilleur. Ils veulent les mettre en conflit, les deux. Ouais. Est-ce que ça va fonctionner? Qu'est-ce que tu en penses, Sylvia? Et alors, moi, j'en pense que... J'ai l'impression que c'est de la manipulation du côté des démocrates. Pour complètement déstabiliser peut-être l'harmonie qui pourrait y avoir, qui y a eu, qui n'existe plus, j'en sais rien, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que si jamais... il faut savoir que DeSantis, quand je l'avais vu et que je lui avais parlé, il avait un système de sécurité encore plus impressionnant que pour Trump. Il avait des menaces sur lui, sur sa femme et ses enfants. Donc... Il y a aussi cet aspect qu'il faut voir. Oui. Mais si, par exemple, il se présentait contre Trump, pour moi, il fait un suicide politique. Ben moi aussi. D'emblée. Oui. Moi, je pense qu'il va attendre 2028. Moi, j'y crois pas à cette guerre. Je peux me tromper, mais mon sentiment... Il y a trop à perdre. Je crois pas. Tu sais, il y a Cat Curd, vous connaissez Cat Curd, c'est un chat blanc avec des lunettes là, sur Twitter. Il a publié un tweet hier ou avant-hier en disant qu'il a mis toute son énergie, tout son effort pour que DeSantis soit réélu en Floride par un landslide, hein, par un raz-de-marée. Il a tout fait pour ça. Il dit, moi, je me suis engagé pour que DeSantis nous représente pendant 4 ans et il accepterait pas que DeSantis abandonne la Floride parce qu'il faudrait qu'il abandonne son titre de gouverneur s'il voulait se présenter. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans cette optique-là également. Et ça peut être une tactique aussi. Parce que, vous savez, il y en a beaucoup qui supportaient Trump. Et maintenant qu'ils voient qu'il y a une possibilité que DeSantis se présente, ils poussent DeSantis. J'ai des amis patriotes, ils sont 100% pour DeSantis. T'as fumé la moquette ou quoi? Et en fait, ça peut être très, très astucieux tout ça. Parce que regardez, ce qui est en train de se passer, Trump, il est en train de voir qu'est-ce qui se passe autour. Dans les amis, dans les gens du Parti républicain, parce qu'il y a quand même des rhinos, hein. Donc, tout ça, il est en train de voir tout ça. Est-ce que ça ne serait pas une tactique entre eux pour déceler les tops et les gens qui lui planteraient une... Ben, je suis sûr qu'il prend des notes, en tout cas, sûr et certain. C'est même dans les influenceurs puis les commentateurs, il y en a qui poussent pour DeSantis. Ouais. Je pense à Dave Rubin, entre autres, il y en a d'autres. C'est un jeu aussi. Ouais. Mais on voit que McCarthy, que Trump a endossé, hein, même pendant que tu avais la clique de Taylor Greene, d'Agaetz et tout ça, qui ne voulait pas voter pour McCarthy, il voulait des gains politiques, évidemment, faisant ça au sein du Parti républicain. Mais McCarthy est sorti aujourd'hui. Il a été astucieux parce qu'il a dit ce n'est pas que seulement contre Trump, ça pourrait arriver aussi à des démocrates et c'est inacceptable. Et puis là, tantôt, Sylvia, tu disais que c'est une tactique de division également entre Trump et DeSantis pour diviser. Et puis Tucker Carlson, il y a un procès présentement avec Fox News, il y a des messages de Tucker Carlson qui sont sortis où est-ce que Tucker Carlson disait qu'il détestait Trump. Mais tu vois, c'est justement, il le déteste peut-être, mais il est au-dessus de ça. Tucker Carlson détestait Trump? Ben, il y a des messages textes de Tucker Carlson qui sont sortis. Okay. Mais au-delà de ça, Tucker, quand même, il est au-dessus de ça. C'est-à-dire qu'il a parlé de la fraude électorale, il parle de Donald Trump, il le défend, il dénonce les woke et tout ça. Mais regardez ce qu'il y a eu à Mar-a-Lago. Fox a l'air anti-Trump
Fox News est pro de Santis. Oui. C'est évident en ce moment. À part Tucker, là. Mais ils ont mis des néo-tucker. Petite parenthèse, là. Là, deux semaines, là, je défendais Tucker puis Fox en disant que bon, il y avait eu les tapes du 6 janvier. Le premier lundi, il a passé des choses incroyables sur le chaman, QAnon chaman. On dit OK, c'est parti. Puis là, le lendemain, il va en avoir plus. Là, il y a, c'est McCarthy qui a dit, ou Comer qui a dit, OK, Rupert Murdoch, là, tu vas dire à Tucker qu'il ne peut pas continuer ça. Qu'est-ce qui est arrivé le lendemain? Il n'y a eu aucune nouvelle image. Qu'est-ce qui est arrivé le mercredi? Aucune nouvelle image. Qu'est-ce qui est arrivé depuis deux semaines? Rien pantoute. On a fermé la gueule à Tucker. Ils ont 40 000 heures de vidéo. Ouais, c'est dégueulasse. Fait que là, Tucker était parti. Peut-être que c'est une tactique. Peut-être que c'est une tactique pour montrer, regardez, il a balancé grave. Maintenant, il ne balance plus. Parce qu'on lui a mis les pieds et mains liés. Mais peut-être que c'est une tactique pour montrer, oh mon Dieu, ils ont encore du pouvoir. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Ben moi, je crois que l'État profond a encore énormément de pouvoir. Alors, regardez ce qu'ils ont fait à Mar-a-Lago. Ils ont payé un camion publicitaire illuminé avec les messages textes de Tucker Carlson qui dit qu'il déteste Donald Trump. Ah ouais, aujourd'hui, ça? Dans les derniers jours, je ne sais pas exactement c'est quand, donc c'est un camion. Il déteste. C'est le mur qui a été refait. Hein. C'est le mur, parce qu'il y en a qui me disaient le mur, c'est le mur qui a été refait. Attends, où est-ce que je. Non, c'est pas là, pardon. Ouais. Ben, ça, en fait, ben, c'est un camion avec des télés, mais, si on veut, illuminé. Il déteste Donald Trump. C'est positif dans le sens où. Positif. Il n'est pas supposé d'aimer personnellement un politicien. Fait que, s'il en parle en bien, mais il dit déteste, I hate him, ça veut I dire hate encore him. Plus. Tu sais. Je le déteste nous, passionnément. Passionnément qu'il dit. Nous, vous croyez que Carlson, il aurait pris le risque de taper ses messages et tout? Ben, c'est dans une conversation privée, donc oui, peut-être. Peut-être après, il se défendait dans le sens de hey, arrête, là, je ne défends pas Trump, je le déteste passionnément. Mais sur un point personnel, quelqu'un pourrait dire, moi, il me tape ses nerfs. Tu sais, quelqu'un qui n'aime pas les fraîchiers ou bien qui n'aime pas les attitudes. Moi, j'aime ça, ces attitudes-là. Tu sais, un peu comme à la Mohamed Ali. Tu sais, il y en a, moi, j'entends parler Mohamed Ali, ça m'inspire. Mais j'entends parler Trump, ça a un peu la même affaire. Mais il y en a qui n'aiment pas ça. Tu sais, comme au Québec, mettons, Jean-Pascal, il parle un peu de même. Il y en a qui, ça le tape ses nerfs. Moi, j'aime ça, cette attitude-là. Il ne faut pas oublier que Tucker Carlson, c'était un ami d'Hunter Biden. Hein? Donc. Je dis juste ça de même. Attends, il ne faut pas tout mélanger. Tu as vu quand même que, tu sais, on peut... Je pense que c'est pour ça que ça en est autant pris à Hunter par la suite, pour essayer d'avoir cette regarde, distance. Trump, il était ami avec tout le monde avant. Oui, oui, tout à fait. Donc, on ne sait pas. On ne peut pas dire... Je ne peux pas te laisser dire une chose comme ça, mon petit Albert. Ah non, Tucker Carlson était ami avec Hunter Biden, il le dit lui-même. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient... Dans le passé. Ils étaient des connaissances. Non, c'était des amis. Il le dit, il a dû justement se justifier et dire qu'il le regrettait, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Non, j'ai fait un dossier là-dessus, puis... C'est là. Mais après, bon, qu'est-ce qui s'est passé versus, tu sais, on ne sait pas tout ce que quelqu'un fait dans sa vie personnelle non plus. Non, mais c'est vrai qu'on peut avoir des amis et après se rendre compte que c'est des salopards et on part, quoi. En tout cas, les derniers contacts avec les derniers messages qui étaient sortis puis tout ça, c'était à peu près 2016, là, donc 2015. OK. Donc, on lui laisse le bénéfice du doute. Oui, mais moi, je pense que c'est la raison pour laquelle que Tucker Carlson s'en est autant pris au laptop, à Hunter et tout le reste. Il voulait s'assurer que les gens ne puissent pas le critiquer en disant « Ah ben là, tu le protèges parce que tu étais un ami avec » puis tout ça. Non, il faut quand même l'avouer, il est de loin le meilleur chez Fox. Il est le commentateur le plus efficace aux États-Unis, le meilleur. Ouais. C'est un trésor national. Ah oui, vraiment. Tucker Carlson, mais, peu importe. Petit Albert, tu m'apprends quelque chose. J'apprends plein de choses avec vous que je ne connaissais pas. Avec Petit Albert, à chaque semaine, on en apprend. Je ne savais pas que Tucker Carlson était ami avec Hunter. Oui, d'ailleurs, Hunter Biden a aidé le fils à Tucker Carlson à rentrer, je crois, à Columbia. C'est de la Ivy League, c'est très dur. Non, c'est pas de la corruption, c'est juste des contacts, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est puis, voilà. Mais
y a l'échange de courriels, puis tout ça. C'était très intéressant. Écoute, à un moment donné, quand tu arrives au sommet, je veux dire, tout le monde se connaît, d'un côté comme de l'autre. Tucker Carlson, justement, il le dit dans une vidéo la semaine dernière où est-ce qu'il disait par rapport aux vidéos, il dit « Moi, il n'y a pas un seul journaliste qui m'a appelé pour avoir ces vidéos-là. Tout le monde se plaint qu'ils les ont pas, mais il n'y a personne qui m'a appelé. » C'était une entrevue qu'il a faite avec Glenn Beck. Et puis, il dit pourtant, il dit « Moi, j'ai le même numéro de téléphone depuis 1998. Tous les journalistes aux États-Unis ont mon numéro de téléphone. Ils peuvent m'appeler, ils peuvent m'envoyer un message texte. Il n'y a pas personne qui le fait, mais ils se plaignent qu'ils n'ont pas les tapes. Mais il aurait pu les avoir, les tapes, il avait juste besoin de les demander. Mais ils se plaignent, ah, mais nous, on les a pas. Mais il y a la pression qui se met pour que que ça sorte public pour tout le monde. Même McCarthy, je pense qu'il n'est pas content que ça sorte pas. Ils vont trouver le moyen de faire sortir ça d'un autre moment. Puis peut-être que le timing de les sortir, ça va peut-être avoir rapport avec ce qui va se passer d'ici une semaine. Parce que là, tu sais, la rumeur, là, ce qu'on voit avant le show, c'était supposément, il devrait avoir des accusations demain pour être amené à New York la semaine prochaine pour le spectacle. Puis là, est-ce que ça va être un spectacle de faux partisans de Trump pendant une semaine à Manhattan dans la journée de soutien au Donald demain? Pensez à votre Donald préféré, c'est demain. Ouais. Je voudrais revenir rapidement sur ce que, tu sais, tantôt, on disait que, bon, Donald Trump est là pour révéler le monde, qu'est-ce qui se passe dans le monde. On l'a vu de toutes sortes de manières. Les guerres, le deep state, les fake news, l'effet miroir. Les enfants. Mais regardez, ça, là, c'est quelque chose qui... Là, ça a circulé, là. Maintenant, ça, c'est des faux, c'est des fakes, là, des deep fakes. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est qu'il y a chat GPT, intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, maintenant, est capable de faire des images de synthèse d'une réalité, d'un réalisme exceptionnel et incroyable. Et puis là, depuis deux jours, ces images-là circulent. Il y en a plein. Et puis, je pense que ça, vous voyez, il y a des gens qui vont réaliser, l'intelligence artificielle est rendue à ce point-là. Et puis, vous voyez ça, là, je pense que le commun des mortels n'aurait pas eu conscience d'à quel point, parce qu'il y a certaines photos qui ont circulé, le monde y ont cru, tu sais. Et puis, non, c'est vraiment bien fait quand même, là. Ouais. Écoutez, c'est vraiment bien fait. L'intelligence artificielle a un pouvoir. Et puis, vous voyez, ça, c'est celle qui a circulé, qui était très, très, qui a vraiment circulé beaucoup. Et puis, c'est ça mon point. C'est une autre chose. Ben, il y a des en fait, moi, je suis un ancien photographe, là. Ouais. C'est comme si c'était quelqu'un qui faisait du Photoshop qui est un intermédiaire. Comme par exemple, moi, si quelqu'un m'arrivait avec ça, je le trouverais tout de suite parce qu'on voit très clairement que l'éclairage dans les visages n'est pas le même chez les policiers que l'éclairage qui tombe dans le visage de Donald Trump. Là, ça, c'est faut avoir l'œil, mais c'est évident. Là. Cosmos, le teint, ouais. C'est le fond de teint. Sur celle-là, puis encore là, la manière que l'éclairage tombe sur le visage, là, ça concorde pas. Non, mais c'est sûr. Mais un œil qui n'est pas avisé, ça... Ouais. Mais voyez, encore une fois, cette histoire-là va avoir fait prendre conscience à énormément de gens qu'il faut falloir maintenant qui doutent des photos qu'ils voient, puis tout ça, parce que l'intelligence... Pas juste des photos, il y a la même affaire pour les vidéos. La même chose pour les vidéos, oui. Il y a une vidéo de Biden qui a circulé la semaine passée. Il y a bien beaucoup de monde qui ont tombé dans le panneau. Donc encore une fois, cette pseudo-arrestation de Donald Trump va éveiller à tout le moins la conscience des gens par rapport aux images de synthèse faites par l'intelligence artificielle. C'est un jeu d'enfant. Hein? Vous mettez Donald Trump, arrestation, New York Police. Vous n'avez rien à faire, c'est ça, ça se fait tout seul. Ça sort tout seul. En 30 secondes, vous avez... Des dizaines de photos de Donald Trump qui se fait arrêter par le NYPD. Donc, encore une fois, vu qu'il y a les vidéos, puis il y a ça, là, puis tout le monde, c'est dans la tête de tout le monde, là, on dirait que ça me dit, toutes les vidéos de blackmail, là, c'est comme s'ils valaient plus rien. Tu sais, mettons, ils sortiraient une vidéo dégueulasse, mettons, là, d'une vedette connue avec, de sexe. Là. Le gars est juste à dire, deepfake. La fameuse vidéo que Donald Trump faisait pipi sur une prostituée russe qui n'a jamais existé, là. Hein? Russia, Russia, Russia. Peut-être qu'elle va finir par sortir. Ben, demande-la à ChatGPT ici. On va te la faire. Non, ça se pourrait sûrement. Oui, effectivement. Elle existe sûrement. Sûrement que tu marques deepfake urine Donald Trump. Il y a sûrement quelqu'un que. Tu sais, dans le fond, si ça il y a une loi là, sur Internet, là, si quelque chose existe, il y a une version porn. Il y a une version porn de n'importe quoi. Fait que c'est sûr que ça existe. C'est ça.
Ben écoute, on va voir, on va suivre évidemment avec attention qu'est-ce qui va se passer dans la semaine qui vient. C'est passionnant quand même tout ça. C'est un spectacle. C'est un spectacle qui se déroule sous nos yeux pour ouvrir les yeux et la conscience d'énormément de gens. C'est ce qui se passe depuis 2015, depuis 2016, depuis la course de Donald Trump. Combien de gens qui ont réalisé que les médias, oui, c'était des fake news? Alors regarde, je vais terminer avec... Sylvia, toi, tu le connais pas. C'est un de nos journalistes qui s'appelle Richard Latendresse. C'est notre correspondant ici au Québec à la Maison-Blanche pour TVA, qui est comme l'équivalent de LCI peut-être en France. Mais et puis... Là, ça va le beau, Richard... là, il est pou... C'est, veux dire, tu vois, on a voir honte d'être Québécois, de te montrer ça. Je ne sais pas quelle vidéo tu vas mettre, mais j'ai honte. Ouais, ben c'est une pourriture, le gars, une pourriture de première. Évidemment, tu ne peux pas être correspondant à Washington si tu ne fais pas partie du Deep State toi-même d'une certaine manière. Ah, donc, c'est un mauvais, là, que tu vas me présenter. C'est vraiment un mauvais. Le gars, lui... Ben, le TVA, c'est ça? Ah, oui, ouais, et voilà. Ouais. Où sont les prix? Vous savez que je ne connaissais pas TVA depuis une certaine histoire. Je ne connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. Okay. Ah, ben, au Québec, c'est big. C'est le poste naturel. Tu sais, c'est la référence des postes de télé. Tu sais, c'est l'ultime poste de télé. Qui, tu sais, okay. Il y a 6 millions de Québécois qui sont capables d'avoir 2 millions de codes d'écoute sur 6 millions de Québécois. Oui, dans le sens c'est incroyable. TVA font plus de codes d'écoute que Tucker Carlson, mais ici, on est juste 8 millions. Ah ouais, 10 fois plus. Donc, c'est dingue. Donc, ça, c'est le gars qui parle contre Trump depuis 2000. À toutes les deux semaines, il dit qu'il va se faire arrêter ou que c'est un criminel aussi. Mais écoutez la dernière phrase qu'il dit à la fin, j'en suis, les bras m'ont tombé. On écoute Richard Latendresse. Trump et son équipe, quand même, chapeau. Avant même que des accusations ne tombent, Trump a affirmé que ça s'en venait, a fiévré ses partisans, a appelé à la révolte populaire, et ça, il faut s'en méfier quand on se souvient ce qui s'est passé en janvier 2021. En plus populaire. De ça, là, Trump apparaît comme un martyr. Il laisse croire que tout le monde est contre lui. Les gens qui ont une tête sur les épaules. Encore une fois, il apparaît comme celui qui défend... les gens qui ont une tête sur les épaules. Les États-Unis au grand complet, alors que ce n'est que lui. Juste un instant, je vais reculer un peu la vidéo à la gueule. Il a une tête sur les épaules. Encore une fois, comme ça. La misère, elle l'attend pas. Il a ses accusations. Trois, il force les en position dans ses démêlés avec la justice. Il les coince, dont ce pauvre Ron DeSantis, qui espère lui livrer la lutte pour l'investiture républicaine en 2024. Et là, c'est assez gênant de le faire. Je vais vous le dire franchement, c'est tordu maintenant, là. Mais Trump, ce soir, c'est un winner. Mais c'est tordu. D'accord, c'est un winner. Il s'appelle la tendresse. Ben, il n'est pas si pire. Oui. Je pense que c'est son meilleur vidéo depuis 4, 5, 8 ans. Non? Ça, il n'est pas pire. Je suis d'accord Trump, avec toi. Trump, c'est un winner. Ah oui, nous autres, on est des winners. Ah oui. Puis on était des winners. Ouais. C'est un show de winners ce soir grâce à Sylvia Miami qu'on a reçu. C'est fini. Hey, puis ton chien, tu vois, il était tout excité. Puis quand t'es rentré en live, un ange. C'est une chienne. Ah, ben ton chien. Pardon, ta dame. Mais c'est vrai, tantôt, elle voulait jouer. Elle était là. Ouais. Là on dirait qu'une fois qu'on est rentré en direct, dodo. Ouais, dodo. elle sait que pendant le direct, ma chérie. Ah, mais moi, avant de te quitter, avant de conclure, moi, j'avais une dernière question, peut-être un peu, pas délicate, mais tu sais, bon, depuis... J'ai le droit d'avoir un joker? Oui. Ah oui, si tu fais, je suis pas sûr. Non, c'est que par rapport... Ben, ça... OK, Q, OK? Oui. Bon, ceux qui nous écoutent sur Facebook, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais Q, c'est un personnage mystérieux qui écrit des messages qui semblerait-il est bien proche de Trump. Il y en a qui ont beaucoup cru, il y en a qui n'y croient plus, il y en a qui y croient encore. Moi, je suis entre j'y ai cru puis j'y espère, mais j'ai plus tellement espoir. C'est à peu près là où je me situe. Toi, Sylvia, comment est-ce que tu... tu en as sûrement entendu parler. Comment tu te situes par rapport à ça? Ben, je sais que c'est le nombre 17, l'âge de Baron Trump, si on le sait. De l'alphabet.
je n'ai jamais, tu reprends aucune, enfin dans toutes mes vidéos, je n'ai jamais parlé de Q. Ok. Voilà. Moi non plus, je n'en parle pas, mais tu sais, je jette un coup de... Pas dit que j'y croyais ou que je n'y croyais pas, je n'en ai jamais parlé. Je comprends. Moi aussi, hein, j'en parle très rarement. Je te mets au défi de trouver une vidéo, si t'en trouves une, c'est une deepfake. Ça manque pas une. Génial. Personnellement, moi, c'est pas que j'y crois ou pas. Je crois quand même à l'impact que ça a eu sur la société américaine et dans le monde en termes de fake news, en termes de gens qui se sont informés. Je vais te répondre après. Et puis, il y a certains Q-drops qui ont été très importants quand ils disent « le symbolisme seront leur perte ». Il y a beaucoup de phrases comme ça qui sont sorties des Q, qui sont devenues des phénomènes de société. La symbolisme de Q également. Oui, vas-y. Donc ça ne parle pas de Q, ça. Hein. Mais en fait, ça explique pourquoi on en est là. Nathalie et Lyon, je vous dis, ce livre est à Mar-a-Lago. Il a fait le tour des congressistes. Il est entre les mains du général Flynn. Vous savez, quand je dis que le pouvoir, c'est le savoir, ça... Comment on peut se le procurer, ce livre-là? Sur Amazon, parce que voilà, il y en a qui me disent, oui, on ne veut pas commander par Amazon. Ben, on utilise pour faire passer l'information. Qu'est-ce qui est le plus important? Faire passer l'information et comprendre ce qui se passe actuellement? C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Donc, on arrête de me dire « Oui, ben, je ne veux pas commander, je respecte, il n'y a pas de problème. » Est-ce que tu es sur TikTok? Non, j'ai 10 plateformes. J'ai déjà 10 plateformes, peut-être un jour, mais là, j'en peux plus. Non. C'est pas le temps d'aller sur TikTok. Non. Je me censure tellement, mais ce livre, Nathalie l'a écrit. Je vous en ai parlé, hein, Nathalie. Bon, vous savez qu'on a... Ne dites rien à l'antenne, hein, mais on a une surprise bientôt. Hein, je vous en ai parlé. On a une surprise. Ah ben, nous autres, on n'en parle pas. Là, on n'a pas eu de Q. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Nathalie, elle est française et elle vit au Canada. Et elle a commencé à écrire ce livre il y a 10 ans. Wow. Et elle m'a contactée il y a 2 ans par l'intermédiaire de Doris, son assistante. Et c'était le bon moment où je commençais à avoir le problème des yeux et tout. Et ce bouquin est une révélation. Il est romancé, parce que si ça avait été en forme de documentaire, il est romancé. Grégory, même parce qu'il existe en anglais aussi, de Legacy. Donc, Trump l'aura en Legacy, parce que c'est déjà à Mar-a-Lago, j'ai des photos de partout avec. Je l'ai présenté à tout le monde, Nathalie, parce que ce bouquin, ça a été un coup de cœur. Parce que ça explique tout. Elle a écrit ce bouquin il y a 10 ans. Donc, je vais répondre à ta question par rapport à Q. Tu vois, quand JFK, je vais vous montrer, quand JFK, où il est le truc? Donc John F. Kennedy, oui. Il n'est pas mort pour rien. Il voulait mettre en lumière l'état profond, c'est pour ça. Hein. Les sociétés secrètes aussi, effectivement. Tu me rappelles son nom de famille? Nathalie, comme Nathalie, et Lyon, E-2-L-I-O-N. OK. Et elle est venue ici pour écrire le second tome. Et en fait, donc je vais essayer de répondre à ta question. Il y a des choses qui ont dû être mises en place, parce qu'il y a plein de gens qui se sont fait tuer pour certaines raisons, parce qu'on ne voulait pas démontrer toute la supercherie qui a été pensé peut-être dans les années 1700 et quelques. Oh, oui. Peut-être que ça, c'est un antagonisme, tu vois. Peut-être que là, il y a le bien et le mal qui se côtoient et qu'il y a une partie qui a évolué vers le mal et une partie qui a évolué vers le bien. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. 1776. Tout à fait. Ça, c'est une énigme, mais je vous annonce que je vais faire 2 émissions par mois avec elle sur ma chaîne. Génial. mais sur d'autres sujets, et que ça va être passionnant. Et ce livre va faire mouche dans le monde entier. Si je n'y croyais pas dans ce livre, j'en parlerais pas.
Parce que c'est ma réputation aussi. Vous pensez que je vais faire passer un livre comme ça à Trump ou au général Flynn ou à d'autres grands patriotes? Donc, il y a beaucoup de réponses et beaucoup de questions. Et beaucoup de et ça permet aux gens de pouvoir mettre leur cerveau en marche et se dire « Oh, mais punaise, mais oui, mais c'est bien ça. » Donc, je pense, donc j'en reviens au poste, au drop de Q. Je ne m'y connais pas trop, je ne suis pas la spécialiste, mais je pense qu'il y a eu différentes méthodes qui ont permis de réveiller les gens dans différents domaines. Si, par exemple, les postes, les drops ont pu ouvrir les yeux à certaines personnes, ben c'est génial. Je comprends. Si d'autres personnes qui ont fait des bouquins en expliquant certaines autres théories, on ne dit pas que les théories sont la vérité absolue, mais en fait, on est dans un moment où on doit se dire tout ce qu'on sait, on le fout à la poubelle. Parce que peut-être que 90% de ce qu'on sait, ce n'est pas vrai. Donc, il faut qu'on se programme à se dire, eh bien, on doit désapprendre tout ce qu'on sait pour comprendre comment on a pu être mis à l'esclavage de manière aussi facile et où on est devenu aussi docile. On a fait confiance à l'État résiste, comment on dit, au gouvernement, à l'État-providence. Ouais. Eh bien, maintenant, il faut qu'on coupe le cordon ombilical. Et ce genre de questions, eh bien, ça passe par le savoir et le combat et de ne pas avoir peur de perdre ce qu'on avait avant. Tout à fait. Mais c'est intéressant que, parce que livre-là, c'est une fiction, mais ça me fait penser un peu au livre de Dan Brown, Le symbole perdu, de Lost Symbol, où est-ce que ça a ouvert l'esprit sur les gens, sur l'importance qu'avait la franc-maçonnerie dans la société américaine. Que la franc-maçonnerie n'était qu'une fenêtre pour cacher bien quelque chose d'autre. Ah, ben, ça, tout c'est à une fait. Autre histoire. Et c'est de là, quand tantôt je disais, ben, le Q disait « le symbolisme causera leur perte », ben, c'est un peu ça également. Quand les gens commencent à être éveillés à ça, quand vous commencez à voir des films, les Grammy, les Oscars, et là, vous voyez le symbolisme partout, les artistes, les gens se réveillent. Puis, D'ailleurs, je voulais te féliciter, Cosmos, parce qu'en fait, on ne se connaît pas depuis longtemps, on se connaît de manière... Un mois. Et puis tant mieux. C'est un ami commun qui nous a réunis malgré cet ami-là. C'est super. Ouais, c'est ça. Puis, c'était une rencontre fantastique. Et puis, je voulais remercier Alexis, Alexis, de m'avoir bien. Le facteur aussi. C'est Alexis. J'adore. Ouais, Sébastien. Oui, c'est Alexis qui m'a contacté pour. Il m'a demandé est-ce que je peux donner ton numéro de téléphone à Sylvia, elle veut te parler. Je fais ben oui. Alors, je parle pas. Je vais demander à Madame Cosmos, ça veut. Là. J'avais demandé à Alexis ton numéro et le numéro du facteur. Sébastien, je te fais un gros, gros bisou et bravo pour tout le travail que tu fais. Merci Sébastien, merci le facteur. Ouais, je voulais juste dire une dernière affaire par rapport à Q, là, puis je sais qu'on conclut, mais c'est que moi, je suis un peu à clôture, puis je ne suis pas trop sûr, mais récemment, j'ai constaté que Trump lui-même avait retrouté ou reposté des messages de Q. Oui. Fait que ça m'a mélangé dans le sens où je me dis, tu sais, j'étais au point où je croyais plus trop à ça, mais si Trump lui-même... Ouais, moi, j'ai une théorie. Là, je me dis, est-ce que Trump lui-même se serait laissé embarquer comme moi, je me serais laissé embarquer? Ouais. Moi, j'ai une théorie, en fait, c'est que Trump, je pense, le Parti républicain et certains conseillers, quand ils ont vu le pouvoir de ce mouvement-là, Trump a commencé à utiliser certaines phrases, certains symboles. Vous savez, quand il fait le cul, des fois, il fait ça comme ça. Moi, je pense que c'est ça. Personnellement, je ne crois pas que Trump soit derrière cette histoire-là, mais je crois que peut-être... Avec le temps, ben, il a utilisé certains symboles signes, si on veut, de la mouvance Q. Mais voilà. Je pense qu'ils auraient approprié. Moi, c'est mon interprétation. Là j'imagine Alexis chez lui qui doit être en train de dire « Non, vous ne l'avez pas tout. Alexis, parle très peu. Je l'appelle
Alexis! Non, il va dire Cosmos le premier mois, va voir, j'y parle, il n'y a pas d'eau. Attends, Alexis, on a besoin de toi. SOS, SOS, Alexis! Je sais qu'Alexis en parlait un petit peu du mouvement Q. Moi, j'aime mieux parler du mouvement parce que c'est quelque chose de complexe. Il n'y a pas de QAnon. Est-ce que Q existe? Ben, moi c'est pour ça que je le parle plutôt pas, comme d'un phénomène de société. Moi, c'est comme ça que je l'aborde plus. Je sais qu'Alexis, il en avait parlé, il parlait des drops même à un certain moment, puis après, il a arrêté. Les décodeurs également, d'ailleurs, les décodeurs, ben, leur nom vient de là. Puis eux autres aussi, c'est ce qu'ils disent, QAnon n'existe pas. C'est une création des médias, finalement. Alors, de toute façon, pour la conclusion par rapport à ça, si vous la voulez, oui. Franchement, que ça existe ou que c'est ça pas important. Existe pas, on s'en bat les cacahuètes. Exact, je suis d'accord. L'importance, c'est l'éveil des consciences. Voilà. On coupe le cordon ombilical, on sort de notre zone de confort. Mm-hmm. Moi, je suis sortie de ma zone de confort, hein. Ça n'a pas toujours été simple. Mais qu'est-ce que je me sens bien maintenant, punaise. Mais qu'est-ce que je me sens bien. C'est, ouais. Voilà. Ouais. C'est fantastique. Hey, ben, il y a des symboles, la grenouille, kek, hein, qui on a est déjà parlé, qui est un genre de dieu égyptien, on a déjà parlé, si tu te rappelles, petit Albert. Ouais. Hey, Sylvie, il y en a sûrement Sylvia. Plein qui sont des... Excuse-moi, Sylvia. Il y en a sûrement plein qui t'ont découvert ce soir puis qui voudraient te suivre. Vont voir. Tu nous as parlé que tu as plein de vidéos que tu vas mettre en ligne bientôt. On va voir ça sur ta chaîne YouTube. Ou, c'est quoi la meilleure place pour te suivre, Sylvia? Alors, en fait, le problème, c'est que moi, c'était sur VK, mais maintenant, je suis shadowban sur VK. Mais grave. Ah, ouais. Mais je suis shadowban. Les Russes t'aiment plus. Avant, je faisais un post, j'avais entre 10 et 90 000 vues parfois. Maintenant, plus rien. Des fois, ça, ils m'ont shadowban. Okay. Donc, à chaque fois qu'il y a un truc qui marche, ils me shadowban. D'où mes 10 plateformes. Donc, j'ai YouTube, mais oui. Je suis en sursis, hein, parce que tous les 3 mois, vous savez très bien, je suis en sursis. Okay. Ouais. Mais tu peux quand même poster des trucs en ce moment? Tu pourrais mettre des choses, des vidéos? Oui, je peux poster. Okay. Ouais, là, donc, pour te trouver, c'est Sylvia Miami sur Sylvia YouTube? Sylvia Miami sur YouTube et ma chaîne de secours, c'est Sylvia Miami officiel. OK. Parce qu'en fait, j'ai eu mon dernier strike parce que j'ai fait une interview avec le professeur Perron. Christian, je vous embrasse si vous regardez la vidéo. Et Astrid Zuckenberger, que j'adore aussi. Pas tout on les remercie, deux grands combattants de la vérité. Exactement. Donc, j'ai été strikée en même pas une heure. J'ai Facebook, Sylvia Miami. OK. Sylvia Mia, tout dépend du nom de ma chaîne. Instagram, Sylvia Miami. Crowdbunker, oui. Ça c'est des vidéos. C'est pour les vidéos. Mm-hmm. VK. Mm-hmm. Telegram. Sylvia Miami officiel Telegram. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça te prendrait un Linktree. T'as pas un Twitter ou un true social peut-être? J'ai toujours pas mon compte. J'ai été virée en décembre 2020. Ils m'ont pas réintégré. Bon, faudrait que tu reviennes, mais on a du fun sur Twitter, il me semble que tu serais populaire. Ouais. Alors, regardez, c'est plus simple. Avec mes nouveaux yeux, en plus, maintenant je vois. Telegram, can you imagine, je ne pouvais pas voir avant. Telegram, Crowdbunker, YouTube, chaîne principale, Sylvia Miami, chaîne secondaire, Sylvia Miami officielle, Rumble, Facebook, Instagram, VK, Gather, Trou Social. Wow, dans tous les bons magasins et plus. Hey, on n'a pas la réponse, on n'a pas l'opinion d'Alexis Cossette-Trudel sur QAnon, mais on a Sébastien Le Facteur qui est là. Salut Sébastien. Sébastien! Il dit QAnon n'existe pas, je suis d'accord. Non, il a raison. Ah, je pensais qu'il vient en vidéo. Non, attends, il dit en revanche, les messages de Q, c'est autre chose selon moi. Oh oui, on s'en parle souvent, Sébastien puis moi. Puis, salut Sébastien. Tu es souvent super ouvert, puis je l'adore, puis regarde, moi j'aime tout le monde. Sébastien, merci pour ton intervention très pertinente. La prochaine fois, il faut que tu sois sur le plateau avec nous. Ouais, ça serait le fun, ça serait le fun. Oh, mais il est bien occupé, je l'ai invité plein de fois. Ouais, j'ai tout le temps 12 heures. Puis, j'ai toujours une vidéo à finir. Là, faut que je fasse la traduction-là. Il est occupé, ce gars-là. Sébastien, qu'en fait, c'était pas le messager qui était important, c'est le message. Voilà.
Et il est tellement humble. Il a tellement d'humilité que je veux lui faire un pipi et il pipi. Il pipi pourra ce soir. Ouais, c'est ça que je voulais lui faire une pipe. Ah, quoi. Là, j'ai compris. Il m'a bien payé avant. Il dit il va faire un live, il dit il prend l'engagement. Donc, on te recevra prochainement le facteur parce qu'écoute, génial. Tu fais un travail exceptionnel, tu produis énormément. Puis on sait que tu veux également faire grossir hein, pour qu'il y ait d'autres facteurs, c'est-à-dire des producteurs de contenu également pour des traductions. Il veut se cloner, c'est ça l'histoire. Il veut se cloner, ouais. Exactement. Il veut faire un chat GPT de lui-même. Il devient autonome, tu vois. C'est bien ce qu'il veut développer, c'est très bien. Il faut devenir autonome parce qu'on a trop dépendu des gens. Et là, tous ces gens qui se disent oui, il faut me suivre, je vais vous aider, je vais changer votre vie et tout. Mais c'est vous qui changerez votre vie. Donc, arrêtez d'être dépendant de qui que ce soit. Personne. Juste être dépendant de vous. Et puis, regarder des émissions sympas par plaisir, mais pas par dépendance. Arrêtez avec les addictions et tout ce genre de trucs. Soyez addict à vous. Ah, c'est une belle... Non, mais c'est pas beau parce qu'après, ça va faire like, soyez addict à... Oh, je m'aime. Non. Croyez en vous. Oui, ne soyez pas docteur. Croyez en vous, mais croyez en Dieu. Ouais, c'est fait. Écoute, c'était un magnifique moment passé ensemble. Merci beaucoup. Les gens sont en train de partager dans les commentaires tes différentes chaînes. Donc, sur Facebook, là, c'est /sylvia.alix. Pourquoi Alix? Alors, Alix, je vais vous montrer. Non. Pendant qu'elle va chercher ça, on peut en profiter. Si vous voulez donner un don, contribuer aux émissions de Petit Albert, c'est petitalbert@protonmail.com, réponse Albert ou Petit Albert, réponse non, quoi? Non, réponse Albert, donc un commercial Petit Albert. Et pour Cosmos, c'est cosmosshow@protonmail.com, réponse Cosmos. Ah, parfait. Ah, c'est ton petit chien. C'était mon chien, c'était mon husky. Oh. Il s'appelait Alix. Et quand il est mort, je l'ai emmené avec moi travailler. Avant d'être infirmière, j'étais secrétaire juridique. Oh. Et là, c'était à mon mariage. Je suis toujours en bon terme avec mon ex-mari, d'ailleurs. Ah, bon. Ah, OK. Donc, il est toujours vivant, ton petit Alix, là. C'est juste que c'est... Non, mon Alix, il est mort il y a plus de 25 ans. Ah, oh, d'accord. Regarde la photo. Je n'étais pas toute jeune, hein. Je suis toute jeune, là. Ouais, mais... On ne peut pas te demander ton âge. T'as pas tant changé. Moi, ça donne 32, 33, je sais pas. Oh là là, je vais commencer à t'aimer. Et donc, comme moi, les animaux, c'était Alix. Voilà pourquoi je m'appelais Alix. Et maintenant, Sylvia Mia, je n'ai pas pu changer pour Miami, c'est Sylvia Mia. Parce que 25 ans après, elle est arrivée dans ma vie, elle a volé mon cœur. Donc, j'ai eu le mâle et maintenant, j'ai la femelle. Ah. Hey, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. On va sûrement ça. On va remettre ça. C'était trop le fun un jour. Ils mettent point Alix, mais tu tapes Sylvia Mia ou Sylvia Miami, on va me voir. Parfait. Sylvia Miami. Donc, puis Sylvia Miami sur les 10 différents channels. Ou Miami officiel. Également, Cosmos, vous pouvez le suivre sur BitChute, Odyssey, Rumble, Twitter, Telegram, Alouette. YouTube. YouTube, là. C'est vrai, YouTube. Et puis merci. Moi, je serai de retour dans 48 heures sur YouTube. Donc, malheureusement, mercredi, demain soir, je serai encore une fois sur Rumble, Facebook et Twitter pour Petit Albert avec vous à 23 heures. Et puis, je ferai d'autres lives cette semaine parce que l'information, l'actualité est foisonnante. C'est incroyable. Moi aussi, je vais m'y mettre. Suivez nos chaînes, suivez Sylvie. Nous autres, le futur n'est pas nous autres. Excuse-moi. C'est effrayant. C'est effrayant, effrayant. Je suis géante. Sinon, je t'appelle autrement. Hein? OK. Tantôt, j'ai mis... on va terminer avec une musique très énergique qui se nomme MAGA Energy. Mais attends, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier, je ne sais pas qui suis, je remercie tous vos followers parce que le Canada, j'ai le Canada dans mon cœur. Je suis venue pour la première fois au Canada, c'était en 1999.
Wow. Et puis là, ben, on commence à former une grande famille, hein, parce oui. que ben, la France, voilà, je suis française, mais je vais aux États-Unis, le Canada, c'est vous êtes nos cousins, mm-hmm. Et en fait, je crois qu'on a pu avoir de pays, on fait juste partie du monde, même voilà. si on doit se battre au niveau national. Parce les patriotes. On doit le faire, mais on est tous unis pour la même cause. Et d'ailleurs, je repense au général Flynn ou d'autres grands patriotes qui vous ont vraiment soutenu et appuyé à Ottawa pour les towers, les truckers. Les camions. Le convoi de la liberté. Oui. Puis je tiens à mentionner. Et d'ailleurs, oui. regardez sur son livre, ça c'est la dernière page. Vous avez le drapeau français, le drapeau canadien. Et le brésilien. Et le brésilien. Et le japonais. Et le japonais, parce qu'il veut faire traduire en japonais son livre. D'accord. Je vous expliquerai ça une prochaine fois. D'ailleurs, ben c'est Donald Trump qui avait dit lors de son allocution à l'ONU, il avait dit « Je serai toujours là pour supporter les peuples qui veulent une autodétermination et qui veulent défendre leurs valeurs, leurs frontières, leur langue, leur culture. » C'est un anti-mondialiste et c'est important que les gens comprennent sur quoi on se bat. Et c'est la raison pour laquelle, justement, AMLO, le président mexicain, malgré les différences incommensurables qui l'éloignent de Donald Trump, parce que AMLO, c'est un gauchiste, un socialiste, il est quand même dans le même schéma de pensée, c'est un populiste. Il est là pour en premier lieu pour son peuple et ensuite de ça. D'ailleurs, le Mexique n'a toujours pas voulu supporter officiellement l'Ukraine dans le conflit. Là. Donc, c'est un bon indicateur. Et puis, on continue à regarder. Un bon indicateur, c'est qu'il était tout à fait d'accord pour finir le mur. Aussi. Il est pris avec les problèmes là maintenant parce que les cartels, c'est des milliards et des milliards par année qui engrangent avec la. Et qui avait raison? Who were right? Ah, sacré Donald. Donald Trump was right on everything. Ouais. Yes. Et puis donc on termine avec cette vidéo là, MAGA Energy, puis vous allez voir comment que Donald avait raison, l'amour que les gens ont pour Donald. On souhaite que ça continue comme ça jusqu'en 2024. Merci Sylvia, merci à vous deux, Cosmos. C'était un pur merci bonheur. Albert, c'était un plaisir. Je vois l'heure, je vois pas, je suis choquée. Ça va vite, hein. C'était un pur bonheur. Merci. Je pense que les gens ont aimé ça. Tu nous as donné des bonnes coachs. Je pense que Caroline Lessard, elle devrait prendre des extraits de Sylvia Miami ce soir. Ce serait bon. Ouais. D'ailleurs, Caroline nous informe demain, web entrevue, 15h, 20h pour la France. Alexis Cossette-Trudel, je ne sais pas qui reçoit demain, mais c'est toujours spécial quand il fait ses entrevues comme ça en journée. C'est toujours le fun. Et puis, demain, 15h. Et puis, petit Albert, Cosmos et Sylvia Miami, on vous dit, on vous aime. On vous embrasse très fort, merci du fond du cœur et never give up. Never give up. We will make America great again. The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action. Do not allow anyone to tell you that it cannot be done. No challenge can match the heart and fight and spirit of America. We will not fail. Our country will thrive and prosper again. Together, we will make America great again.